Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le skin de 2024, bonjour à tous. Hello à Elster Corius Moche. On a aussi notre ami Youssef qui nous a rejoint, bienvenue sur le stream. Hello aussi à Dragu. Hello tout le monde, comment ça va les amis? Hello, hello, hello. Hello, comment ça va tout le monde? Ça me fait trop plaisir. Et il y a Moyen aussi qui est avec nous. Hello Moyen, merci à tous d'être déjà aussi nombreux à être présents en 2024. Et bonne année à tous, let's go. Et Moche, merci encore pour ton sub aussi tout à l'heure. Bien sûr, le 17e mois, bientôt le 18e mois, bientôt les 1 an et demi déjà, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, plein de choses qui vont changer. Vous le voyez déjà visuellement, les petites nouvelles lunettes, il y a plein de trucs qui vont arriver. On fait plein de tests, plein de choses qui vont arriver en 2024, je vous l'avais dit. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis trop content d'être de retour en stream. J'espère que vous allez bien les amis. Voilà, let's go, let's go, let's go. Comment ça va tout le monde déjà? Est-ce que vous allez bien? Première chose, comment ça s'est passé votre nouvel an et votre Noël, parce que depuis on n'a pas pu restreamer. Je vous l'avais dit que peut-être ce serait le dernier stream de 2024, la dernière fois sur Outer Wild, et c'était effectivement le cas parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, pas mal de déplacements à droite à gauche, famille, amis, etc. Donc pas mal occupé, il s'est passé plein de choses de mon côté. On va en parler un petit peu, on va être en mode discussion jusqu'à environ 17h. Et puis voilà, on va écouter un petit peu ce que vous avez à dire aussi, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté. Qu'est-ce que vous avez eu de beau à Noël, comment vous avez fêté le nouvel an, etc, etc. Racontez-nous. Mon père venait d'être jaune comme les tiennes pour conduire à la nuit. Et c'est exactement ça elle. Je voulais tester pour voir ce que ça faisait d'avoir une lunette orange. Et voilà, c'est exactement pour cette utilité de base. Et je voulais voir si ça marchait vraiment bien. Et je me suis dit, tiens, on va essayer en stream. En plus, ça me rappelle un peu les premières lunettes que j'avais quand j'ai commencé sur Twitch. J'avais aussi ces petits trucs là et j'avais la même chose. Donc ça me fait trop rire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas je teste pour aujourd'hui. Pas sûr que je les garde, mais dans tous les cas, les prochaines lunettes que je vais avoir seront un peu un mélange entre celles-là et les anciennes. Du coup, voilà, ça fait plaisir. Ah, il s'est passé tellement de dingueries, les amis. Franchement, c'était incroyable. Ça fait très exactement 14 jours que je n'ai pas stream, donc 2 semaines que l'on ne s'est pas vu. Il s'est passé ouais, beaucoup de choses. Je prépare plein de trucs à côté, donc on va en parler. Vous avez peut-être vu les photos qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu un petit peu toute la programmation qui va arriver, mais sachez qu'il va y avoir des dingueries. Des problèmes familiaux qui ressurgissent. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, Starkovus, on est avec toi, mon ami. On est avec toi. On te souhaite le meilleur. C'est toujours ça un petit peu les fêtes de fin d'année, mais c'est pas grave, il y a toujours des trucs qui ressurgissent, moi aussi, mais il faut voir le positif. Au moins t'as pu prendre un peu de repos, je l'espère, sur les cours, tout ça. Et d'ailleurs vous reprenez tard je crois, hein, si je dis pas de conneries. J'ai vu que la plupart vous reprenez le 7 ou 8 janvier, mais il me semble que vous avez fini tard aussi. Pour ceux qui sont en vacances scolaires, n'hésitez pas à nous raconter aussi si vous avez repris ou pas. Le 8, ouais c'est ça, j'ai vu, je me suis dit waouh, la dinguerie de finir le 23 décembre et de reprendre le 8, c'est une dinguerie hein. Semaine de partiel, aïe 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 aïe. Est-ce que tu es préparé ou pas Sarkozy? Est-ce que tu es préparé? Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir les amis. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être déjà présent, le premier stream du retour. Voilà, je démarre tranquille aujourd'hui, c'est vraiment un stream. Je sais pas combien de temps on va stream, mais oh là là. Mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Merci beaucoup Willow pour les 21 mois. Let's go. Il est là le Willow. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Incroyable. Et en plus la musique derrière qui pète, c'est incroyable. Let's go. Merci Willow, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Bonne année Willow. Et bonne année à tous ceux que je n'ai pas pu croiser sur Discord, tous ceux que je n'ai pas dit en MP aussi pour certains. Bonne année les amis, fêtez ça avec nous en détente, c'est incroyable. On est le 4, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave les amis, je vous ai pas croisé donc ça me fait plaisir. Oh, et ouais, nouvelle musique aussi d'ambiance, il y a plein de trucs nouveaux les amis. C'est la fête, je vous le dis, c'est des dingueries. Ça va être, bah ça va très très bien, ça va très très bien Willow, merci à toi aussi. Et oui, nouvelle année qu'on passe ensemble, ça fait, est-ce que... Oui, on se connaissait déjà en 2022, donc ça fait théoriquement, c'est la troisième année qu'on est ensemble, Willow, théoriquement. 22, 23, 24, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les amis, c'est incroyable. Pareil pour Moche et quelques-uns d'entre vous, c'est une dinguerie. J'adore. Non, à part si c'est du BG3. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est le BG3? Quand même, c'est la merde en fait. Aïe, 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 c'est dur les maths. Aïe, 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 courage, Charco, tu vas y arriver. T'as combien d'épreuves la semaine de partiel?
On s'est fait péter la porte sur un vrai Noël. Ah, ça c'est bien, hein. Le nouvel an, on est monté chez les parents de madame car ils ont insisté. Et on est passé chez ma mère après. J'ai pu voir ma grand-mère. Oh bah parfait, t'as fait le tour complet. J'étais contente car ça faisait longtemps et ma soeur a eu le seum de la galaxie car elle bossait et on n'a pas pu se voir. Mais au moins t'as pu voir un max de monde, donc ça fait plaisir. J'espère que tu es contente de ton séjour. En vrai c'est cool parce que moi c'est un peu similaire, tu vois. J'ai un peu fait un grand tour et tout et ça fait du bien parce que toute l'année on est un petit peu dans notre routine quotidienne, le travail, l'école, ça dépend de qui on parle, mais souvent on est un peu tout dans notre routine et cette période peut être très cool pour ça. Et tant mieux que ça a été le cas pour toi. Elle, nous aussi on s'est pété la pente, je peux te le dire, entre Noël, Nouvel An et tout. Nouvel An, il nous arrivait des galères. Nouvel An, on a eu des galères avec Bacha, on a eu pas mal de soucis. Je vais vous raconter un petit peu en termes d'organisation. Parce que honnêtement, on pensait pas qu'il y avait aussi peu de gens qui travaillaient entre Noël et Nouvel An. Hein, c'était véritablement un cauchemar, mais les séjours étaient incroyables. On a fait vraiment pas mal de choses très très cool, notamment pour ceux qui ont pu voir sur la story. On a été à Europa Park pendant 2 jours avec Matcha, c'était extraordinaire vraiment. Un des meilleurs séjours de ma vie. Donc vraiment, j'ai kiffé. J'ai eu un message de Matcha de votre part. Eh oui ! Ah ouais, parce que on était quasiment en Allemagne et du coup on a envoyé un petit message aux anciens. On a envoyé un petit message aux anciens, le Willou, le Zwo, à l'ancienne, tu vois, à l'ancienne. Allez, on reprend le GOTY de PG3. Ah, Baldur's Gate, ok. Ouais, je comprends. T'es à fond dedans en ce moment, Starcorus. Je sais pas, toutes les matières je dirais. Ah ouais, donc ça fait quoi, une dizaine du coup ou pas? Oh les amis, je suis tellement content de reprendre les streams. En plus, on va faire du Rocket League aujourd'hui, c'est vraiment histoire d'être chill. On fera un peu de solo queue, mais voilà, il s'est passé pas mal de trucs. Moi, dites-vous, je suis parti le 22 décembre. J'ai fait tout un tour du côté de ma famille. On était vraiment beaucoup en plus, donc c'était cool. Pas mal de petits cadeaux, j'en ai quelques-uns à vous montrer d'ailleurs, du côté des deux familles. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez eu pour Noël, les amis, ou qu'est-ce que vous avez demandé, ou alors qu'est-ce que vous vous êtes offert pour Noël aussi, peut-être, parce que si vous êtes comme moi, parfois, vous vous offrez un petit cadeau. Moi, je me suis pris un petit câble Ethernet, hein, ça fait partie des micro-cadeaux que je me fais. Mais bon, c'était par rapport aux commandes Fiverr que j'avais réussi à faire, et je me suis dit, allez, petit câble Ethernet, je suis en train de réfléchir à d'autres petits achats de ce style qui vont améliorer les streams. Donc déjà, le câble Ethernet, ça fait plaisir, et il y a plein de trucs qui vont être achetés au fur et à mesure aussi, ça va être trop cool. T'as fait quoi de beau ton Willou pour Noël et Nouvel An, et est-ce que ça s'est bien passé? Y a maths 1A, maths 1B, physique 2A, chimie. Ah ouais, non, là c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Pas qu'un peu, putain, mais quel enfer. Et c'est quoi, c'est la plus grosse semaine de... comment? De partiel, ou c'est une semaine assez tranquille, on va dire? J'ai des cheveux qui dépassent, moi, c'est terrible. Je ne sais pas que ça se déroule sauf le lundi, je commence par physique 2A. Mais attends, c'est quoi la différence entre chimie 1A, chimie 1B et chimie 1C? What is the difference? En tout cas, les amis, je vais vous montrer ce que j'ai pu avoir pour Noël, c'était incroyable. Alors, il y en a qui vont être très contents, surtout pour ceux qui aiment Zelda, parce que là, je vais vous montrer 3 petits items que j'ai pu avoir en cadeau, et des très très beaux items d'ailleurs. Hello Canu, passe un petit coup avant le taf, bonne année à tout le monde, bonne année Canu, bon courage pour le taf. Oh, ça me fait plaisir de te recroiser. Je suis tellement content de vous revoir les amis, je vous jure, pendant 2 semaines, j'ai essayé de me déconnecter au maximum, même si c'était compliqué. Et j'ai à peu près réussi, donc je suis trop content. Et là, j'ai tellement envie de revenir fort. J'ai tellement de choses à vous proposer, tellement de nouvelles idées, tellement de nouveaux jeux. On va analyser ça après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les cadeaux que j'ai pu récupérer, surtout ce qui vous intéresse. Et ensuite, on ira voir aussi un petit peu les nouveaux jeux qu'on va faire en 2024. Car oui, maintenant, en 2024, ça fait bizarre de le dire. Et on va analyser un petit peu le planning de la semaine et parler du planning de la semaine prochaine. Tu m'as perdu, ça, je te jure, moi aussi, mais c'est dingue. Différentes chimies, la chimie organique et d'autres. Ah ouais, d'accord. Ok, donc en fait, ils veulent vous aligner, quoi. Ils veulent vraiment vous aligner. C'est terrible. Hâte de voir sur Breath of the Wild, mais moi aussi. Demain ça va être incroyable. Demain c'est le début d'une très longue aventure, et une aventure qu'on attendait depuis plus d'un an et demi, donc ça va être formidable. Bientôt les 2 ans de la chaîne aussi en février, ça va être une dinguerie. Et puis ouais, on va continuer à faire plein de choses. Il y a plein de contenus qui arrivent de partout, je prépare plein de montages, il y a le best-of de fin d'année qui arrive là dans les semaines qui suivent. Et puis voilà, on va pouvoir parler un petit peu des petits trucs que j'ai pu avoir en cadeau, parce que c'est incroyable. Et par contre, dites-vous, je vois tout orange, c'est terrible, j'ai l'impression d'être dans une réalité parallèle, c'est une dinguerie, hein. Breath of the Yap, je te jure.
Ah, ça va être incroyable. J'ai essayé d'en mettre 1 à 2 par semaine et je vais essayer d'en mettre parfois 2 à chaque fois. Enfin, je vais essayer parce que je sais que le jeu est très long. Donc, on verra si on arrive à en caler 2 par semaine ou pas. Mais le but de cette année 2024 pour moi, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos résolutions à vous d'ailleurs. Et encore, bon anniversaire à Dragu qui a eu son anniversaire hier, d'ailleurs 19 ans, incroyable. Moi, mes résolutions pour 2024 par rapport au stream, c'est de continuer à envoyer toujours autant de contenu, voire plus. En envoyer même. Quasiment deux fois plus sur tous les réseaux. Essayer de toujours stream 4 à 5 fois par semaine. Essayer d'être encore plus productif et encore plus professionnel dans le streaming. Donc essayer d'améliorer la qualité vidéo, la qualité audio. Et ça va passer par plein de petits achats, plein de petits grinding. Et le but, c'est d'essayer d'être plus stable aussi financièrement pour pouvoir tout simplement avoir plus de choses à mettre dans les streams. Et puis voilà, essayer de toujours kiffer au maximum, bien sûr. Essayer de réunir toujours plus de monde et qu'on kiffe tous ensemble. On va faire de plus en plus de streams multi aussi cette année. On va revenir un petit peu au stream multi parce que fin 2023, c'était beaucoup de fin de let's play. Donc j'ai dû faire beaucoup de jeux en solo. Mais là, 2024 va être l'année du multigaming, je vous le dis, avec plein de nouveaux jeux. Il y aura des anciens jeux, des jeux un peu rétro, il y aura des jeux plus récents, on va dire, des 10 dernières années, des jeux actuels de fou qui sont sortis il y a moins d'un an, et des jeux qui vont sortir au fur et à mesure de l'année aussi. J'ai pas tout mis dans la petite photo avec les 12 jeux, mais ça fait partie des principaux que je souhaite faire. Comme d'habitude, chaque année, je mets des jeux, il y a 90% de chances qu'ils soient faits, il y a des chances qu'ils ne soient pas faits, par exemple, cette année, et que ça soit plutôt décalé l'année prochaine. Ça a été le cas pour Fallout 4, notamment, mais voilà, The Last of Us 2 Remaster, jamais de la vie. Non, nous, on va jouer à The Last of Us 3, mon pote. Ah, j'ai tellement hâte. Je pense qu'ils vont peut-être le faire, mais... j'ai peur. Mais si ça sort, sachez que J1 on y est. Hein. Mais c'était tellement incroyable The Last of Us. En plus, je crois que t'étais pas là encore, Starcorius. Mais The Last of Us, c'était... franchement, je crois que c'est un let's play qui m'a le plus marqué positivement. Parce que l'aventure était incroyable. Entre le 1, le DLC et le 2, c'était magnifique. C'était incroyable. Je suis déjà partout intérieurement à l'idée de te voir faire du Breath of the Wild. Bah oui, tu m'étonnes. Oh là, mais même moi, j'étais là. Je me disais, putain... genre je comptais les jours, je me disais je vais revenir à peu près à ce moment là, je sais que je vais pas le caler J1 mais sûrement J2, donc je me disais ok c'est à peu près dans une semaine, c'est à peu près dans 4-5 jours, et là, me dire que c'est demain soir, ça va être incroyable, ça va être une dinguerie. Il y a tellement de remaster que ça leur donne une mauvaise réputation. Ah ouais? Bah c'est vrai que ils ont fait quoi, 4 versions en tout de... parce qu'il y a eu The Last of Us 1, The Last of Us 2 Remaster, en fait je me souviens plus exactement lesquelles versions il y a parce que même moi j'ai pas la version de base. Et c'est pas la dernière version, donc je crois qu'il y en a eu plein. Ouais, c'est ce que je pense. Ouais, mais je comprends. En vrai, je peux comprendre. Merci BG, y a pas de soucis Dragu, merci à toi. Merci à toi, c'est la semaine des partiels de la fin du premier semestre. Ok, d'accord, je vois. Je vois, ok, d'accord. Aucune, tu me dis aucune par rapport à quoi, Starcorius? Les amis, je vais vous montrer le premier cadeau que j'ai reçu. Je sais que quelqu'un dans le chat, là, enfin je crois, et c'est un... quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qu'on a fini récemment. C'est tout simplement l'aventure de Zelda Skyward Sword avec ce petit amiibo. Regardez-le, l'amiibo de Link. Alors, est-ce que ça va faire le focus? J'en sais rien, regardez, on va faire comme les youtubeuses beauté. Voilà, le petit amiibo de Skyward Sword avec bien sûr la Master Sword. Voilà, je trouve ça incroyable, c'est une dinguerie. Voilà, c'est mon premier amiibo les amis, pour l'anecdote. Et du coup, voilà, petite figurine qui va être remise directement juste ici. Voilà, et... ah ouais, je suis trop content parce que c'est mon premier item aussi, je crois, Zelda hors jeu. Si je dis pas de conneries, non, j'en avais pas. Donc c'est parti des premiers items Zelda que je récupère et ça me fait plaisir. Et il n'est pas tout seul, bien évidemment. Et alors là, celui-là a particulièrement du sens. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être du spoil pour moi car je connais certains trucs de Zelda Breath of the Wild. Mais si vous voyez des choses, ne le dites pas, j'essaie un peu d'oublier. Mais regardez cette magnifique amiibo de Breath of the Wild. Voilà, le Link de Breath of the Wild. Alors, est-ce que le focus va se faire? Oui, le Link de Breath of the Wild en amiibo. Voilà, c'est incroyable, c'est magnifique. Il est très très joli, franchement, honnêtement. Ça me fait fortement penser à One Piece, mais je ne dirai pas pourquoi, pour ne spoil personne. Mais pareil, elle va aller dans le fond avec la figurine de Skyward Sword. Voilà, et du coup, la dernière item Zelda, et pas des moindres. Vous allez voir, ça va être incroyable. Je le veux trop, lui, il pète tellement la classe.
Fest. Ah, tu l'as pas en plus, incroyable. Du mini spoil dessus, mais celle de mon pote est énorme. Ah ouais, et n'hésite pas à nous envoyer des photos Sarkozy sur le Discord. Parce que là, franchement, moi, en ce moment, je suis trop dans le comment dire, les items Zelda, j'adore ça. J'adore ça. Le premier sur PS3, puis PS4, refait sur PS5, puis le 2 sur PS4, PS5, puis que sur PS5. Ah ouais, je vois. Ouais, donc c'est un bordel. C'est un sacré bordel. T'as quelle version, toi, Sarkozy? Ils ont fait un remaster de Last of Us, alors que ça faisait même pas 10 ans que le jeu était sorti et qu'il était encore bien. Bah, en même temps, en vrai, je peux comprendre certains remasters, mais j'avoue que c'est un peu le bordel au niveau des remasters. Je crois que moi, j'ai la... Je sais plus quelle version j'ai. Non, je sais plus exactement quelle version j'ai. Je vois rien avec mes lunettes, c'est terrible. Celle sur PS4 et le 2 sur PS4, PS5. Ok, ouais, donc comme moi, en fait. Je crois que j'ai les mêmes... En fait, je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus où il est, mes jaquettes, je dois avoir les mêmes. Les deux que tu as, je ne les ai pas. Ah ouais, incroyable. Pourtant, t'en as plein, hein, si je dis pas de conneries. Moi, j'ai un poster. Oh là là, incroyable. Envoie-nous le poster si jamais c'était pas du spoil. Oh là là. Eh non, mais c'est trop bien. Et les amis, vous doutez peut-être de quel est le dernier cadeau. Ça, c'est le cadeau un des cadeaux de Matcha. C'est tout simplement... Les amis, Zelda Tears of the Kingdom, bien sûr, le Saint Graal que on ne pourra que regarder durant plusieurs mois / peut-être années, je ne pense pas années, mais on l'espère pas. Mais Breath of the Wild était comment dire, il est dans la console, je l'ai en dématérialisé, mais celui-ci, on a la jaquette, les amis, le Tears of the Kingdom est là, et oui, très très beau cadeau, il est encore sous blister, on le voit pas trop, mais il est encore sous blister, je l'ouvrirai le jour où on commencera tout simplement le let's play sur Tears of the Kingdom. Voilà, donc en attendant, il va rejoindre le petit arrière-plan. Voilà, ça pareil, je vais le retravailler bientôt d'ailleurs. 6 mois en attente, ah ouais, attends, quoi? Attends. Ça fait pas longtemps que le 2 est sorti, donc c'est pour faire du fric. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. TOTK. Eh ouais, TOTK. Ah ouais, ça va être au moins 6 mois en attente, je pense. J'en ai 9 maintenant, car j'ai un pour Noël qui est aussi la collection Breath of the Wild. Incroyable. Oh là là, et trop bien. Il y en a combien dans la collection Zelda des Amiibo? J'ai le TOTK en boîte. Eh oui, je suis trop content. Ah, ça va être incroyable, en vrai. Là, Breath of the Wild et TOTK, à la suite en plus, je vais péter mon crâne. Vraiment, ça va être trop trop bien. Ce qui va être dur, c'est de ne pas jouer en off, parce que je vais me forcer à pas jouer en off pour tout faire avec vous, même si le jeu est très très long et on va kiffer. Qu'as-tu fait le DLC de Breath of the Wild? Alors je ne savais pas qu'il y en avait un, et donc bien sûr que oui, je ne sais pas si je sais pas comment il s'appelle, je sais pas où on le trouve, mais on testera. Je n'en ai jamais entendu parler, donc carrément chaud. Je suppose qu'il faut le faire après, sans spoil bien sûr, mais je suppose que c'est à la suite, donc bien sûr qu'on le testera à Nintendo eShop. Ok, est-ce que tu as une idée des prix ou pas? Juste que je sache à peu près comment je m'organiserai à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout. Ok, d'accord. Bah en vrai, si t'en as 9 et qu'il y en a 2 que t'as, enfin que j'ai et que t'as pas, ça veut dire que je pense qu'il y en a au moins une quinzaine, voire une vingtaine. Et ça, c'est incroyable. Sachant que je prends aussi en compte les amiibo de Smash qui sont des persos de là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Je sais plus, j'ai acheté il y a longtemps. Ok, d'accord. Parce qu'il est sorti à la suite, le DLC, ou il est sorti genre plusieurs années après? Oh, ça va être incroyable, Breath of the Wild. Oh là là! Il y en a une pléthore des Amiibo Zelda. Ah ouais? Bah en même temps, c'est quand même une giga licence. C'est quand même une licence. J'en parlais justement avec Matcha, c'est une licence qui a 40 ans, quoi. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Donc forcément, ils ont fait des dingues. Et d'ailleurs, on va analyser un petit peu la petite image que je vous avais mis. Alors, on va voir un peu le planning aussi. Je vais vous mettre ça maintenant. Alors, ça, c'est Rocket League. Regardez, tac. J'ai enlevé ma cam pour qu'on puisse analyser comme ça. Ça sera mieux. Donc, nouveau visuel du planning. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai essayé d'épurer un petit peu l'ensemble des visuels. Essayer de mettre en rouge les jours où je ne stream pas et en violet les jours où je stream. Donc, aujourd'hui, c'est Road to Champion sur Rocket League. Pareil, samedi. C'était histoire de commencer les streams tranquillement parce que je sais que ça, c'est vraiment un let's play chill. Ça passera à un par semaine dès la semaine prochaine. Et vendredi et dimanche, c'est le début de Breath of the Wild. Donc là, vendredi, on risque de faire un très très gros stream, honnêtement. Ça partira sur du 4-5 heures, je pense. Et dimanche, pareil, ça va envoyer un max sur Breath of the Wild. Et la semaine prochaine, on commencera sûrement un nouveau let's play. On fera aussi du Minecraft, du Breath of the Wild et du Rocket League. Voilà, ça va être trop trop bien. On va pas mal faire de nouveaux jeux cette année. Je vais essayer de vous montrer un petit peu avec le nouveau screen. Alors cette année, en gros, j'ai prévu... Alors,
Je vous mets le screen tout de suite. Tac, 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 il est là le screen. J'ai essayé de faire le plus de jeux différents et qui me plaisent, entre guillemets, possible. C'est-à-dire que j'ai regardé les jeux qu'on m'avait conseillés, j'ai regardé les jeux qu'on m'avait aussi conseillés en off, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui peut être sympa à faire, et qu'est-ce qui est aussi parfois dans ma bibliothèque déjà. Attendez, je retrouve pas le screen. Oh no, oh no. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là, normalement. Pourquoi je ne le vois plus? Attendez, je vais vous l'afficher dans quelques instants. Mais je crois que je l'avais screen il y a longtemps. Parce que ce truc-là, je l'ai préparé depuis un long moment. Sachant que, en gros... Bah, attendez, je le vois plus. C'est terrible! C'est terrible! Attendez, je vais remettre la cam en attendant. Hop là. Voilà. Pour 2024... Attendez, mais... Me dites pas que je l'ai plus sous... Attends. J'ai l'image, mais j'ai pas le... Merde. En fait, c'est qu'avec mes lunettes jaunes, je vois que dalle. Je vois que dalle, les amis. Ah, je l'ai peut-être mis là-dedans. Attendez. Je vais aller dans récent, je vais le trouver, je pense. Il est paumé, je te jure. Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis du Rocket League. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais commencer par un gros stream où on allait faire des dingueries? Mais jamais j'aurais tenu. Attends. Normalement, il est censé être... Mais les gars, je vois que dalle, c'est terrifiant. C'est terrifiant, je vois rien avec ces lunettes. J'en ai genre 9 et j'ai du mal à les mettre en place sur mon étagère. Jeux vidéo, j'expose les amiibos. J'ai aussi mes collecteurs, jeux vidéo. Incroyable! En vrai, les amiibos, c'est cool à collectionner, je trouve. Hein. C'est 15€ sur Instant Gaming. Ok, merci Starcoyus. Merci beaucoup. Ah, mais je te jure, je suis complètement perdu, moche, c'est terrifiant. Mais je pense qu'attends... Et au pire, attends, je vais le re-télécharger, ce sera plus simple. Je vais aller la re-télécharger comme ça, je l'aurai directement. Mais il y a pas mal de jeux qu'on va faire en multi, il y en a certains qu'on va faire en solo. Je ne sais pas si vous connaissez tous les jeux qu'il y a dedans, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux différents. Il y a des jeux de survie, il y a des jeux d'énigmes, il y a des jeux d'aventure. Il y a vraiment de tout et un peu pour tout le monde. On ne fera pas tout en même temps, hein. C'est des jeux qui vont venir au fur et à mesure de l'année. Certains arriveront en fin d'année, c'est déjà prévu, et d'autres arriveront très très bientôt, bah, notamment Breath of the Wild. Hein. Outlast Trials, attends quoi? Le DLC propose... Attends, Tonao du Road to Champ. Alors attends, je vais répondre à vos questions, j'arrive. Je télécharge l'image, je vous montre l'image et je te réponds, Willou. Ah putain, ça a été mis là-dedans? Non. Attends. Hop. 2024, image. Voilà. Et je vous l'affiche. Tac. Alors attends. Hop. D'ailleurs, le Road to Champion va changer un petit peu le... Pas le concept, mais... Mais attends, mais je vois pas l'image. Attendez. Ah putain, je sais pourquoi. Attendez, est-ce que c'est ce que je pense? Mais ils disent que mon disque est full, mais c'est pas possible parce qu'il me reste 5 gigas. C'est du multi celui-là. Ah ouais? Ouais, mais moi je suis pas jeu d'horreur, moi. Je ne suis pas jeu d'horreur. Attends, pourquoi? Hein? Attendez, mais c'est n'importe quoi ce qu'il me fait là. Ils me font des dingueries. Attendez, mon truc me fait des dingueries. Mais en gros, le Road to Champion, Willou, j'en suis globalement à Platine 3, Diamant 1. Justement, j'allais vous parler de ça après, mais en gros, pour faire court, je vais passer d'un second compte où, enfin, je vais passer d'un second compte à mon compte principal pour que du coup, je puisse redémarrer à peu près au même endroit. Parce que là, actuellement, sur mon compte principal, je suis aux portes du Diamant 1. Donc, ça revient à peu près au même par rapport à la dernière fois. Donc là, on est vraiment au début du Diamant 1. Donc, il nous reste tout le Diamant à faire, sachant que je maîtrise encore très peu de choses à la manette. Tu penses en combien de temps tu es C1? En vrai, si je m'y mets vraiment, vraiment bien, je pense que dans moins de 3 mois, ça sera possible. Même en vrai, si je charbonne comme un malade mental, en un mois, c'est faisable. Mais il faut que je me mette très sérieusement au training et m'entraîner. Là, je m'entraîne en ce moment à Half Flip, mais il faut que je m'entraîne aussi à aérienne surtout, parce qu'en aérienne, je galère de fou furieux. Une fois que les aériennes seront maîtrisées, je pense qu'on pourra monter Diamant 2 sans trop de soucis. Le problème va être de atteindre le diamant 3 et de passer le diamant 3. C'est ces deux trucs là qui me font peur. Mais là en off, j'ai beaucoup joué là, c'est les jours où je suis revenu, enfin aujourd'hui et hier, pour un peu
remonter mon compte principal parce qu'il était descendu platine 1, platine 2, parce que du coup je m'entraînais là-dessus. Et du coup j'ai fait plus 100 MMR depuis hier, donc je suis remonté platine 3, div 4. Donc le platine c'est à peu près acquis on va dire, mais je suis encore un peu dedans, vous voyez, c'est à peu près le niveau actuel. Je pense que si je vais être complètement franc par rapport à ce que je ressens de mon niveau, je suis... fin de platine 3, début de diamant 1, et il me manque quelques mécaniques pour atteindre le diamant 1, enfin être vraiment niveau diamant 1 à peu près tout le temps quoi. Surtout qu'on a perdu crochet. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Ça c'est le TOTK qui ne rentre pas. Oh là là, j'ai tellement hâte de faire TOTK pour voir les petites figurines. Le DLC propose certaines choses qui nécessitent de l'exploration du contenu additionnel. Ok, d'accord. Bon bah trop cool en vrai. Faut le temps qu'il digère les repas de fête, c'est pour ça qu'il va pas faire de dingue aujourd'hui. Exactement. Non mais je vais vous raconter en plus après ce qui s'est passé. Je vais vous raconter, il nous est arrivé des dingueries avec Matcha. On a eu tellement un bad karma pour le nouvel an, pour plein de trucs. Et à la fois on a trop kiffé, mais on était explosé. Vraiment, on était trop fatigué de tout ce qui nous était arrivé. C'était fatigant vraiment, mais c'était très très cool. Outlast ça fait pas peur, c'est ridicule. Ah ouais, parce que c'est vrai que tu le fais Willou toi en ce moment. Surtout qu'on a perdu crochet, il lui a dit ah là 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 là, bah alors Willou. Alors mais c'est vrai que toi Willou, t'es comment en termes d'horreur? Parce que je te vois des fois sur des jeux d'horreur, je me dis mais il a pas peur ou quoi? Il a pas peur. Attendez, je vais vous montrer du coup le programme pour 2024. Tac, je vais vous montrer ça parce que du coup là c'est bon, j'ai pu afficher ça. Alors, oh bah, il est en petit, c'est pas grave. Hop là, pour 2024 les amis. Donc on a alors j'ai dit 12 jeux mais en fait 12 c'est ceux que j'ai un peu prévu. Bon c'est pas grave. En gros les 9 jeux principaux qu'on va faire cette année, ça sera donc Zelda Breath of the Wild qui commence demain à 18h, Professor Layton et l'appel du spectre, c'est le 4ème jeu de la licence. Donc c'est la suite du 3ème jeu. Enfin c'est pas une suite directe mais c'est un peu plus tard que l'appel, enfin le destin perdu qu'on avait fait. Donc ça, Professor Layton, l'appel du spectre, je pense que honnêtement ça arrivera dans quelques mois parce qu'on a pas mal de jeux qui vont arriver avant. On a Fallout 4 que j'aimerais bien faire en début d'année justement, c'est un des jeux que j'aimerais faire. Enfin, je l'avais fait à peu près, j'avais fait 10 heures de jeu dessus, mais j'aimerais beaucoup découvrir cet univers avec vous et donc faire ça dans le premier trimestre de l'année. Son of the Forest qu'on va faire en février parce que en gros il va y avoir la version finale qui sort, donc ça sera en multijoueur, voilà, ça sera sûrement avec plusieurs personnes, je suis encore en train d'organiser ça mais ça va être incroyable, un jeu qui me plaît énormément. Du coup voilà, on a Red Dead Redemption 2, ça par contre qui va arriver bien plus tard je pense, peut-être cet été ou après l'été, parce que c'est un très très gros jeu, donc comme on a Breath of the Wild en même temps, si on se fait deux jeux comme ça on n'a plus de planning. Ensuite on a Subnautica, ça pareil ça va être à plusieurs, ça c'est déjà entre guillemets en partie en train d'être organisé, ça je n'ai pas encore de date précise à vous dire mais ça sera au cours de l'année. Ensuite on a The Witcher 3 que j'ai depuis très longtemps et auquel j'ai très très peu joué, j'ai même pas 10 heures de jeu aussi. Voilà, ça va être un jeu aussi très très fat, donc qui arrivera sûrement au cours de l'année, sûrement après l'été aussi, mais on va aussi découvrir cette magnifique licence qui est The Witcher. On a Portal 2, ça par contre ça sera sûrement avant l'été, peut-être vers fin avril, ce genre de période, parce que ça c'est un jeu beaucoup plus court et qui me plaît énormément. J'ai fait le 1 off et j'ai surkiffé et je me suis dit pourquoi pas découvrir avec vous Portal 2 parce que c'est vraiment un jeu qui est à la fois chill et à la fois très cool. Contrairement à son voisin, et oui, vous vous attendez peut-être pas à ce que je débarque sur ce jeu, notamment dû à mon skill négatif et... voilà, je vais faire mon entrée dans les Dark Souls, dans les Souls-like, et on va faire une entrée fracassante avec le bon Elden Ring. Voilà, ça va être incroyable, j'ai très très peur, vraiment ça va être terrifiant, mais on va arriver sur Elden Ring, comme Starcolus l'a dit, eh oui, on y va dans Elden Ring. Alors ça, pareil, ça sera pas tout de suite, parce que Breath of the Wild oblige, il y a beaucoup de choses qui vont être en même temps, donc Elden Ring, ça arrivera sûrement. Je pense ça en juillet, honnêtement, juillet ou août, ça sera un jeu de l'été honnêtement, mais voilà, je le découvre après tout le monde, mais croyez-moi, ça va quand même bien rager sévère, je pense que je vais bien galérer, je ne m'y connais pas du tout dans ce genre de jeu, mais je me suis dit, allez, faisons les fous, 2024, c'est l'année des possibles, l'année où on fait que des dingueries, donc voilà un peu pour les 9 jeux de cette année, les 9 jeux principaux, bien sûr.
Comment ça plusieurs sur Subnautica? Bah tu verras. Tu verras, Starcorius. Ça va être incroyable. Ah oui, Subnautica, c'est incroyable. Tu l'as fait, toi, Daragu? Est-ce que tu l'as fait en entier? Sachant que dites-vous que là, dans les 9 jeux, Breath of the Wild, j'avais vu un let's play. Donc je connais l'histoire, mais j'essaye d'oublier. Donc ça sera quand même une découverte. L'appel du spectre, je l'ai fait il y a quasiment 5-6 ans. Donc je ne m'en souviens plus. Fallout 4, j'ai fait que 10 heures, comme je vous ai dit. Son of the Forest, j'ai fait 5 heures dessus. Red Redemption 2, je n'ai rien fait dessus. Et j'ai vu très peu de choses dessus. Subnautica, j'ai testé 2 heures. The Witcher, j'ai testé même pas 10 heures. Portal 2, je n'ai pas encore le jeu. Et Elden Ring, c'est pareil. Donc, je ne connais rien. Donc, ça va être que des découvertes quasiment. Ça va être trop trop bien. J'ai aussi The Witcher 3 et je n'ai jamais eu le temps de le lancer. C'est vrai, hey, c'est incroyable. Et ben, on va découvrir ça ensemble, là, elle. On va découvrir ça ensemble. Tu vas faire le multi pour Portal 2. Alors, je savais pas qu'il y avait un multi, mais ça pourrait être très drôle. Pourquoi pas? On verra, tiens. On verra. Ça serait très très cool. Ah, ça, je pourrais t'aider, mais que des conseils. Tu parles de Elden Ring, Starcorius? Pourquoi je pourrais Elden Ring perso, ce genre de difficulté, non merci pour moi. Eh ben, je me suis dit la même chose et après je me suis dit mais et finalement pourquoi on tenterait pas quelque chose comme ça, ça serait drôle. En vrai je trouve ça incroyablement drôle, surtout que vous connaissez un petit peu mon niveau de rage et mon niveau d'énervement quand je galère face à un boss sur Zelda. Alors imaginez-vous sur Elden Ring, ça va être absolument faramineux. Je sens que je vais casser des manettes, ça va être incroyablement drôle. Fallout 4, j'aime pas PC, t'as les mods. Ah ouais, bah Fallout 4 je l'ai sur console. On verra s'il est pas trop cher sur PC, je le prendrai peut-être. Mais Fallout 4 c'est un univers qui me plaît énormément. En ce moment je joue beaucoup à Fallout, alors le jeu mobile, je sais plus comment il s'appelle, Fallout Shelter. Et je me suis dit mais en fait j'adore l'univers post-apocalyptique que ça dégage. Donc j'ai trop envie de redécouvrir ça quoi. Quand Phil y arrive tu peux le faire. Ah ouais, tu parles de... Attends, Phil il a fait Elden Ring? Si tu veux faire le multi-portal, je suis chaud. Ah ouais, incroyable. Tu as déjà fait ta moche ou pas? Parce que si je le fais avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui découvre, bien sûr. Pas très difficile à elle. Ouais, ouais, c'est ça, c'est incroyable. D'ailleurs, faut que je te mette un truc important. Vas-y, moche, tu me dis si c'est urgent et je regarde tout de suite. J'ai fait Subnautica et Portal 2 et Zelda et Professeur Layton en entier. Incroyable. Allez. Et alors, dans les 9 jeux que j'ai annoncés, quels sont vos 3 jeux qui vous plaisent le plus parmi ceux que j'ai annoncés? Ou alors, si vous avez trop de galères à choisir, quel est le jeu qui vous hype le plus pour cette année 2024? C'est que j'ai pas trop de réflexes et de vigilance, c'est pour ça que je trouve ça dur. Et ben moi, je suis pareil, donc ça va être très très drôle, franchement, ça va être une dinguerie. En coop avec le mode. Ah ouais. Et alors, les modes rajoutent vraiment des trucs intéressants ou pas? Je l'ai fait il y a longtemps, le multi, je m'en souviens plus du tout pour Portal. Ok, d'accord. On pourra en discuter après le stream. Ok, pas de soucis, moche, merci beaucoup. Breath of the Wild, Elden Ring, Subnautica, SOTF. Attends, SOTF, Son of the Forest. Ok. Est-ce que c'est dans l'ordre de préférence ça? Subnautica, Portal 2 et Zelda. C'est marrant, vous soyez plusieurs à parler de Subnautica. Vous savez que parmi les jeux, je pense que moi, celui qui me hype le plus, c'est Breath of the Wild. Elden Ring aussi, honnêtement. Son of the Forest aussi beaucoup. En fait, ils me hype tous. Mais parmi ceux où je ne sais pas trop où je m'aventure et où du coup je me suis un peu laissé guider par certaines choses, bah il y a Professor Layton et Subnautica et peut-être un peu The Witcher aussi. Et Red Dead. En vrai, c'est les 4 où je m'aventure full dans l'inconnu quasiment. Parce que Professor Layton, ça fait longtemps, du coup je sais plus s'il est bien. Mais c'est un peu un pari que je fais. Je me dis vas-y, let's go. Surtout que certains m'ont été recommandés par vous. Donc ça va être trop cool. Les modes, ça dépend, t'as le randomizer qui m'intéresse tellement, mais la coop te permet de le faire tout le long à deux. Ok, d'accord, parce que de base c'est un jeu full solo, c'est ça Fallout 4? En vrai ça va être trop bien. Voilà, je suis trop content de vous avoir annoncé ça les amis. Je vais repasser en full screen. Mais voilà un petit peu pour 2024. Honnêtement on a un très très beau programme. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les semaines, mois à venir. Et il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Là j'ai mis que les jeux, mais il y a plein de trucs qui vont arriver. Notamment la refonte du serveur Discord. Ils commencent déjà à être en train d'être modifiés. Les emotes qui vont être modifiés. Les icônes d'abonnement. Il y a plein de trucs. L'overlay aussi, là il va changer au fur et à mesure de l'année. Il y a plein de concepts qui vont arriver. Il y a les événements bien sûr, des follow goals, notamment l'escape game interactif qui est en train d'arriver et le semi-marathon en solo. Je ne l'oublie pas celui-ci. J'attends qu'il fasse un peu plus beau et je me remets tranquillement au sport en ce moment. Donc ça va être trop trop cool, je vous le dis. L'année 2024 va être un banger. Vraiment, 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 ça va être trop cool. Les amis, est-ce que vous avez des dernières choses à me dire avant qu'on commence
à jouer à Rocket League, parce que là on va pouvoir tranquillement aller dessus et passer sur du gaming, parce que bon, on aime bien parler mais on aime aussi tirer dans le ballon avec nos voitures explosées au sol. Surtout que là je me suis entraîné tout à l'heure, mais là je faut que je reprenne la main petit à petit, donc on fera des petits matchs tranquilles. De toute façon aujourd'hui c'est pas du, on va pas rusher quoi que ce soit, on verra si on peut tenter le diamant 1, mais voilà, aujourd'hui si on perd un petit peu c'est pas grave, voilà, c'est vraiment un live de retour, donc tranquille. Elden Ring c'est solo mais t'as des délimitations de zone et tu dois invoquer ton ami, et ce mode enlève ses contraintes. Ah, tu parles de des modes sur Elden Ring, ok, d'accord. Bateau, c'est ta voiture quoi? Comment ça mon ref? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me baragouines? Attendez, faut que je mette le truc de jeu, faut que je remette tout pour qu'on passe tranquillement sur ça, voilà. Sachant que j'ai refait un peu ma voiture et j'ai obtenu des nouveaux trucs, vous allez voir. J'ai obtenu une nouvelle animation de but aussi, ça va être bien cool. Sachant que j'ai pas joué pendant 2 semaines parce que j'étais pas avec mon PC. Ah oui, c'est ça que je voulais vous raconter aussi. Ça, je vais vous le raconter pendant le match. Je vais vous raconter un petit peu les galères qu'on a eues au Nouvel An parce que c'était très très drôle. Parce que Noël, c'était plutôt chill de mon côté. Mais alors, Nouvel An, waouh, il nous est arrivé tellement de dingueries. Franchement, j'avais l'impression que on avait un bad karma. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi? Vraiment, vraiment, vraiment. Hop là. Vous voyez, déjà, j'arrive plus à toucher aucun ballon. Ça va être terrible. Sachant que j'ai eu des mails très très bons tout à l'heure et des très mauvais. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire du full solo queue aujourd'hui. Donc si jamais, notamment pour Moche, si jamais vous croisez des gens qui spam est-ce qu'on peut jouer avec toi, qui arrive sur la chaîne, n'hésitez pas à leur expliquer que aujourd'hui c'est full chilling et que aussi j'essaye de faire ce concept un max en solo queue, ou alors avec des gens qui ont mon niveau ou un peu moins. Ça va, t'es pas mon ami qui avait de la pluie sur sa box et qui lui fait faire de latence? Attends, quoi? Attends, faut que tu nous racontes ça, comment ça, de la pluie sur sa box? Genre il y a eu un trou dans le plafond et ça a commencé à pleuvoir dessus? Non bah attends, ça c'est aberrant ça. Ça c'est aberrant. J'avoue que, pareil, on a laissé les chats pendant 4 jours. Parce que pour vous expliquer, en gros, moi je suis revenu de Noël à peu près le 27... le 28. Je suis revenu le 28 décembre. Et avec Matcha, on est parti du coup le 31 jusqu'au 3. Donc on a laissé les chats pour la première fois 4 jours. Donc on a acheté un petit distributeur de croquettes. Et on avait prévu tout ce qu'il faut en termes d'eau, etc. Et c'était un peu une crainte. Et je vous raconterai à la fin de l'anecdote du Nouvel An, quand on est rentré, qu'est-ce qu'on a croisé. En vrai, c'était pas si pire que ça. Mais il y a un truc qui nous a surpris. Et c'était un peu logique. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs. Bref, on va en parler. Ça goûtait dessus. Attends, mais quoi? Et du coup, la box, elle est morte ou pas? Tu veux jouer avec moi? Après, Moche. Après, écoute, je joue avec toi. Attends, t'es dispo jusqu'à quelle heure, Moche? Vous voyez, par exemple, Moche, il a à peu près le niveau... je crois qu'il était diamant 1 en ce moment, Moche. Donc, si j'arrive à aller diamant 1 et que je suis bien échauffé, peut-être. Elle marche tranquille, mais demande un remplacement. Ah ouais, elle marche tranquille avec de l'eau dessus. Bah attends, c'est une box de fou furieux, ça. C'est une box indestructible, en fait, excusez-moi, mais... Vous avez une box en titane ou quoi? Il est goudron 3, oh le bâtard! Et regardez, slingshot. Hop là! Bon, c'est pas cadré, mais ça, je suis trop content de commencer à les setup, ça me fait plaisir. Et oui, je commence à bien comprendre. Alors là, bien sûr, comme je suis en stream, je vais pas y arriver, mais... Ouais, non, je vais plus y arriver, mais attendez. Voilà, vous voyez, les half flips commencent petit à petit à... Attendez, hop, alors. Les half flips... Merde. Commence petit à petit à rentrer. En fait, j'ai regardé un tuto, mais... Comme là, voilà. En fait, j'ai compris qu'il faut faire ça et cancel son demi-tour pour ensuite tourner. Mais là, je galère parce que je suis en stream. Mais sachez qu'en off, j'en place à peu près, pour l'instant, 50% des half flips que je veux mettre. J'arrive à les caler en entraînement. Et en match, par contre, j'en mets 1 sur 4 actuellement. Mais j'ai commencé récemment l'entraînement. Donc, enlève la cam ballon. Oui, c'est vrai que ce serait plus simple. Ce serait plus simple. Mais surtout que là, ce qui est difficile, c'est de raconter des choses et de parler en même temps que de faire le half flip, comme je le maîtrise pas encore trop. C'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, ça commence à progresser à ce niveau-là et ça me fait plaisir.
On va aller chercher un petit match et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ça ira mieux parce que si tu mets la cam ballon, ça perturbe sur la directionnelle. Ok, je vois. Et donc, faut toujours être en cam libre, entre guillemets. Ok. C'est pour rire. Non, mais après, si tu veux jouer, y'a pas de soucis. Hein. On verra. Sachant que j'ai vu un petit peu vos ranks, les amis. Y'en a qui ont pas mal joué. Est-ce qu'il y en a qui, en ce moment, jouent beaucoup ou justement, à l'inverse, ont laissé un peu le jeu de côté ou pas? N'hésitez pas à me dire un peu par rapport à Rocket League. Tire, je t'en supplie, mon mate. Oh là là. Oh, c'est à côté. Alors, le nouvel an, je vais vous raconter un petit peu. Parce que en gros, faut savoir que du coup, on est allé à Europa Park pendant 2 jours. Oh, attendez, hop. Merde, ça, c'est pas dedans, mais oh mon mate. Oh, il est complètement zinzin, ce mate. Oh merde, j'ai fait du caca. Oh, c'est moi, my bad. Donc, on est parti à Europa Park. Ouais, je suis un peu un cutter pro, ouais. Je suis le cutter originel. Et tout était prévu à l'avance, hôtel, etc. Le seul truc qu'on n'avait pas forcément réfléchi, c'est comment on allait manger sur place. Putain. Bon. Ok. Le seul truc qu'on n'avait pas trop réfléchi, c'est comment manger sur place, sachant que je sais pas pourquoi ça nous est pas venu à l'idée que vers Europa Park, c'est un peu des endroits où il n'y a pas beaucoup d'habitations, les villages sont pas très très grands, t'as des villes enfin des villages de 5000 habitants, mais c'est pas... c'est pas une mégalopole quoi, donc on n'avait pas forcément pensé que quand on allait arriver le 31, ça allait être compliqué pour manger, forcément, parce que le 31, les gens ferment plus tôt. Hein, et comme on a eu à peu près, je crois que c'était 5-6 heures de transport, et ben le 31, on est arrivé un peu tard. Donc, quand on est arrivé, il n'y avait plus rien d'ouvert. Je suis un malade mental. Il n'y avait plus rien d'ouvert, plus de resto et tout. Et enfin, en tout cas, pas à proximité de là où on était, sachant que de ce qu'on avait vu, il y avait genre un ou deux restos qui étaient ouverts à 5-10 minutes en voiture. Donc on s'est dit, let's go, on va aller manger dans ces trucs-là, parce que 5-10 minutes, c'est pas si loin. 5-10 minutes, ça peut le faire. Quelle fut pas notre surprise quand on est arrivé dans une zone où il y avait littéralement un Quick, un Burger King, la pataterie et plein d'autres restaurants, absolument tous fermés à 20h. On s'est dit ah ah ah. Donc là, première désillusion parce qu'on vient de faire chier le transport et on est en galère parce qu'on se dit putain, si Quick est fermé et Burger King est fermé à 20h, ça va être quoi quand on va rechercher un autre là, à part, sachant qu'on avait mis à peu près une demi-heure, une heure, donc il était environ sur les coups de 21h. Donc déjà on s'est dit au secours, on va pas manger alors que bah du coup on n'avait pas trop le temps de... On avait mangé je crois un peu le midi mais pas énormément, donc autant vous dire qu'on avait un peu faim. Il fait quoi ce malade? Mon mate est fou, hein. Il me dira moi aussi je fais de la merde. Mais voilà, comme d'habitude mais moins. Attends, je vais regarder ce que vous avez dit. Oh putain, oh non mais mon mate. Oh il joue pas. Viens jouer toi au lieu de me critiquer, espèce de paille 6. Oh le bat. C'est vrai que manger c'est pas important. Bah surtout que là vraiment nous notre nouvel an entre guillemets, c'était Europa Park, sauf que c'était le 1er et le 2. Donc fallait qu'on fasse un truc pour le 31 au soir, mais on n'y avait pas trop réfléchi. On s'était plus focus sur l'organisation pour Europa Park parce que c'était quand même plus important. Et frérot, l'open était tellement ouvert, je peux pas croire que t'as loupé ça. Mais des balles, frère. Oh, c'est dedans? C'est pas dedans. Allez, open. Oh! Oui, let's go. Ah oui, j'ai une nouvelle animation de but que j'ai looté dans les cadeaux. Enfin, dans les cadeaux d'or, justement, et j'ai eu l'animation des cadeaux. C'est incroyable. Je t'ai tanké d'op. Oh bordel, 17h ça ferme. Ouais bah c'est ça, du coup on était en mode merde c'est une galère, tu manges pas c'est pas grave. Bah nous je vais pas te mentir, on était exténués parce que du coup le truc c'est qu'on savait qu'on allait partir tôt à Europa Park le lendemain. Et que Matcha avait un peu de route, tu vois, on était environ à une demi-heure. Donc fallait quand même qu'elle soit un minimum en forme, tu vois, à la limite. Moi c'est pas grave parce que j'ai pas encore le permis donc je conduis pas. Oh bordel, attends, ça va être compliqué. Et c'est bon. Et fallait qu'elle mange, tu vois. Et même moi, j'étais en mode, c'est con de le 31 au soir de ne rien manger et d'être dans une chambre d'hôtel, tu sais, en mode triste, tu vois, triste de fou. Donc, on a fait le tour de la zone, on s'est dit, bon, ok,
ça, est-ce que c'est ouvert? Oui, non, ok, c'est ouvert, on va tenter, etc. Donc on tente un deuxième endroit. Alors je sais plus ce qu'on a tenté, je crois qu'on a tenté un KFC ou un truc comme ça. On s'est dit, eh, c'est pas grave, on prend un fast-food, tant pis, ça sera un peu à l'arrache, mais ça sera mieux que rien. Donc on tente un autre fast-food, mais plus proche de Strasbourg, parce qu'on s'est dit, en vrai, Strasbourg, ça va être ouvert. Je lui laisse. On s'est dit, Strasbourg, il n'y a pas de raison qu'à 21h, ça soit pas ouvert. On y va, fermé. Bon, il est 21h, 22h, on se dit, dans 2h c'est le nouvel an, est-ce qu'on va passer le nouvel an sur la route à chercher à manger, ou est-ce qu'on rentre? On se dit, vas-y, on est à 15 minutes de Strasbourg, let's go, on tente, c'est impossible qu'à 22h, il y ait tout qui soit fermé. Donc on y va, et il est vraiment genre 22h, donc là, c'est soit on trouve un restaurant ou quelque chose pour commander, soit on fait le nouvel an sur la route. Donc on commence à chercher et à l'entrée de Strasbourg on voit une pizzeria qui ferme à 22h15. On se dit oh my god, c'est peut-être notre opportunité, ça a l'air ouvert. Mais ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est qu'en gros en arrivant vers l'entrée de Strasbourg et donc à genre 5-10 minutes de ce... Je fais de la merde hein. Oh ils sont en roulouane, j'avais pas vu. À 5-10 minutes de ce... de cette pizzeria, on voit des gens avec une boîte de pizza. Et là, on se dit, oh, OMG, il y a des gens qui mangent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire que c'est sûrement cette pizzeria qui est ouverte. Donc, on se dit, let's go. Sauf que c'est censé fermer dans 15 minutes. Donc, on se dit, non, on peut pas... Eh merde. On peut pas échouer une troisième fois. Donc, faut absolument qu'on réussisse. Donc, on appelle. Et là, on se dit, pitié que le mec, il nous dise oui... Pitié, le mec qui nous dit vas-y je prends votre commande. Et là le mec c'est notre sauveur. Il nous dit vas-y y a pas de problème, dans 5 minutes c'est disponible. Et là on récupère notre pizza à 22h 22h15, 22h30 je sais plus exactement. Et on était là trop content. Vraiment la pizza du nouvel an quoi. Dites-vous, merde, j'ai brisé la roulouane, j'ai perdu. J'étais tellement, enfin on était tellement en galère que j'ai pris une pizza au hasard. Et c'était même pas une pizza que j'aimais bien, mais je m'en fous parce qu'on pouvait manger. On est rentré dans l'hôtel, il devait être 23h, 23h15. Vraiment, on était tout juste. Et on était tellement fatigué du périple que du coup, bah, nouvel an, c'était genre minuit 10, dormir et sommeil direct. Tu vois, genre, c'est terrible. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que pareil, l'hôtel. Ils ont dit oui, on est ouvert jusqu'à 21h et tout. Et donc nous, on arrive sur les coups de 20h, on se dit bon, on va arriver, ils seront là. Que nenni, les gens étaient déjà partis se coucher. Donc on est arrivé, il n'y avait personne pour nous accueillir. On s'est dit, ça se trouve, on n'a ni à manger, ni chambre d'hôtel. Donc voilà, et au final, heureusement, ils nous avaient laissé des clés sur le comptoir. Donc heureusement, on a pu rentrer comme ça, mais ça a failli être un cauchemar. Déjà, ça a failli être un cauchemar. Y a pas de resto là-bas. Bah en vrai il y en avait pas beaucoup. En fait dans la zone où on était quasiment tout était fermé. Donc c'était vraiment un enfer. Un match du diamant 1. Donc c'était vraiment un enfer. On a dû faire quasiment une heure de route pour trouver un restaurant d'ouvert. Et c'était vraiment très très juste quoi. Moi 5h le nouvel an. Oh waouh. T'as fait quoi de beau pour le nouvel an Starcorius? T'as un fonda chez Willou. Attends. Je sais plus si je t'ai dit, mais t'as un fois... Eh oui, j'avais vu. Oui, j'étais passé. J'étais passé il y a 2-3 semaines, si je dis pas de conneries, Willou. Eh oui, le fonda. Eh, incroyable. Merci encore, Willou, d'ailleurs. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai pas mangé à la PHW. Le trajet pour aller à la gare, il y avait 2 heures de marche. Et putain, c'était difficile. Attends, t'es arrivé à quelle gare pour que t'aies autant de... Toi, t'es arrivé gare de l'Est, c'est sûr. Toi, t'es arrivé soit gare de l'Est, soit gare du Nord pour avoir autant de temps de trajet. Attends, 2 heures de trajet. Oh oui. Oh non, le tir était beau. Merde, merde, merde. C'est difficile, c'est long, mais... Attends. Yanni mange dans le train comme un porc. Ah ouais. T'as mangé dans le train comme un sagouin. Après, c'est ça qui est bon aussi, tu vois. C'est d'avoir des galères comme ça et du coup, de souvenir du moment. Et que tout ne se passe pas comme prévu. Mais du coup, c'est ça qui rend le moment un peu stylé. Et c'est ce qui fera qu'on s'en souviendra. Ah, attendez, parce que j'essaie juste de marquer un but pour être tranquille. Oh putain, mais je tire comme un sagouin moi aussi. Oh là là, à pied. Ah ouais, tu es allé à pied. Ah ouais, d'accord, bah c'est pour ça. Ouais, la Paris aussi, que c'est un peu excentré de Paris. Donc c'est vrai que si t'arrives de Paris même, ça peut être un peu loin. Allez, mon pote, c'est open. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais il est complètement fou, ce mate. Il est complètement fou. Oh, celle-là, c'est pour moi. Oh là, regardez. Hey. Regardez-moi cette recovery de grand-père. Allez frérot, faut y aller. Allez, allez, allez. Oh, il est lent mon mate, c'est pas possible. Laisse, mais putain, c'est pas vrai. Alors là. Oh. Oh, c'est un centre parfait ça. Vas-y, vas-y. Il est où?
Mate, allô? Non mais attends, je joue mieux que lui en parlant. Tu m'attaques pas, frérot. Allez, intercept. Voilà, parfait. Et je vais vous raconter aussi la galère qu'on a eue après le nouvel an, parce que vous vous doutez bien que ça s'arrête pas là. En vrai, la plus grosse galère, c'était vraiment pour rentrer. Hein. Hier, j'ai cru qu'on allait jamais rentrer. Il y a un monde où hier, on rentrait pas. Hein. Il y a un monde où on restait à Strasbourg. Hein. Enfin, pas loin de Strasbourg, quoi. Enfin, non, on était bloqué vers Nancy, mais je vais vous raconter après. J'aimerais juste que mon mate m'aide un petit peu dans ce match, parce que j'ai l'impression d'être très seul. Il arrive toujours au pire moment. Oui. Oh, dommage. Bon, je vais dire ce que t'as mis juste après elle. Et merde. Allez, mate, on peut le faire. J'ai pas de bouche, je te la laisse. Vas-y. Il y va pas. Oh, c'est pas vrai. Allez, mais c'est pas vrai. Backpass. Pas si nul ce qu'il a fait. Il m'a bumpé ou je rêve? Il a réussi à me rentrer dedans, je vais péter un plomb. Ok. 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 Attention, regardez, ça va être sympa. Hop. Mate, allô? Oh mais c'est pas vrai! Allez mate, c'est pour toi. Oh, qu'il est lent, sérieux, mais c'est pas possible. Ok, pas si mauvais. Tellement nul aussi en face. Oh oui! Oh oui! Oh merci frérot, oh non. Let's go! On a mangé raquette et j'ai eu une coupe de cheveux. Attends, quoi? Comment ça, mon ref? Oh, par contre, raclette banger. Hein. Oh là là, vous étiez deux autour de la raquette ou il y avait encore plus de monde? On a mangé chez mes beaux-parents et à minuit 5, on est parti se coucher. C'est vrai, toi aussi? Oh là là. Bah, c'est vrai que le nouvel an, c'est moins un événement que Noël. Je trouve que c'est sympa, mais Noël, c'est quand même plus marquant et tout. Mais non, mais c'est pas vrai qu'il laisse. Il y laisse jouer. Hein. Il l'a pas regardé. Oh, il me fait peur, mais il est fou, il est complètement fou. Oh oui, oh le flic. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon alors là c'est pour moi. Oh c'est à côté. Oh c'est à côté. Ok mate, pas si mal, pas si mal. Il va l'avoir. Ah, j'ai Aku qui vient me voir. Attendez. J'ai Aku qui me grimpe dessus en plein match. Salut Aku. Je pourrais pas vous la montrer tout de suite parce que... Attends, bah, elle va peut-être se montrer d'elle-même. Oui, oh oui, oui c'est open. C'est open à coup, c'est open. Attends. Regarde, montre-nous ta petite tête. À lui, il répond quoi? 10€ le sandwich, c'est du foutage de gueule. Ah ouais, à la Paris Games Week ou dans le train? Dans le train, t'as payé 10€ le sandwich, c'est ça? Les emotes de à coup. Ah, je vous jure, à quoi? Tellement grandi, les amis. Et Gigi aussi, d'ailleurs. Oh merde. Oh, je fais du caca. Oh non. Oh oui, oui, oui. Oh, c'est pour moi celle-là. Non mate, c'est pas maintenant qu'il faut y aller. T'as bien vu que j'étais dessus aussi. C'est la merde. Non mais il est complètement fou ce mate. Là ça va tirer direct. Hein. J'ai payé 1,30€ le sandwich sur le chemin. Ah ouais, 1,30€. Un sandwich gratuit ça monsieur. Oh oui, alors là regardez. Hein. Regardez bien ce qui va se passer. Hop là. On lui sert sur un plateau d'argent. Magnifique, incroyable. T'aurais pu venir nous voir quoi. Comment ça hein? T'étais où? Non deux car les autres ont pas pu venir. Ah ouais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jour banal nouvel an je trouve. Ouais un petit peu. C'est vrai que c'est pas le jour le plus marquant de l'année. Mais c'est sympa quand même je trouve à fêter. Attention. Ah, hey, c'est le diamant 1 les amis du coup. C'est le retour en Diamond 01. C'est le retour en Diamond 01. Ça va être sympa. Je sais pas pourquoi je chase à ce point là mais j'ai envie de le faire chier le mate. Il m'a fait n'importe quoi du coup j'ai envie de le faire chier. Non à PGW, ah ouais 10€ à la PGW c'est ça? Ouais c'est cher hein. C'est Paris hein, c'est terrible hein. Enfin, c'est Paris et les événements spéciaux. Et mate pourquoi tu me full chase à ce point là? Et dommage. Franchement on leur a roulé dessus hein. Ils ont pas joué les frères. Oh non, il y a Gigi qui est en train de défoncer le canapé. Arrête, Gigi! Sachant que Aku a fêté ses 6 mois, les amis, il y a quelques jours. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, joyeux anniversaire, Gigi. C'est les 3 mois de Gigi. Voilà, ça devient un grand garçon. Pendant que nous, on repasse en Diamond 01. Let's go sur mon compte principal, ça fait plaisir. Attends, Aku, je te replace juste 2 secondes. Hop là.
C'est pas cher. Ah oui, 1,30€, c'est pas cher. Hein. Strasbourg, c'est pas loin de chez moi. C'est vrai, incroyable. T'habites à combien de temps à peu près? Parce que nous, on était à peu près à une demi-heure au sud. Il y a 1 ou 2 heures de route, mais ça va. Ok, ah oui, 1 ou 2 heures de route, d'accord. Ah ouais, donc... Mais putain, c'était stylé comme région. On n'a pas eu trop le temps de visiter, mais c'était très très cool en vrai. C'est-à-dire que toi, t'es pas très loin de d'Europa Park, du coup, ça veut dire. Alliance Product, c'est minimum 2€, voire 3€. Nous, c'est pas les mêmes prix, les gars. Nous, c'est pas les mêmes prix. Hein. GGD1, merci. Merci. Bon, on va essayer de jouer tranquille maintenant pour essayer de monter en D2, même si, honnêtement, je vous le dis, j'ai pas encore le niveau D2. Mais j'espère l'obtenir dans les prochaines semaines. Parce que je pense qu'il me manque surtout des mécaniques aériennes et une meilleure recovery. Et ça sera pas mal. On a eu pour au moins 8€ au total, donc bon. Ah ouais, ah non, mais c'est cher. Hein. C'est très très cher en vrai, Paris. Hein. Enfin, la région parisienne de manière générale, c'est un cauchemar. Et c'était bien quand même la Paris Games aussi que t'as kiffé. Ah, attends, parce que là, je crois que j'ai encore un mate qui dort. Pardon, frérot. Qu'est-ce qu'il me fait, le mate? Bon, là, je fais de la merde, mais... Ah ouais, il a du ping. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Oh. Ok, ça va être un cauchemar. Les parisiens se touchent bien pour les prix, je te jure, hein, mais c'est un cauchemar, c'est vraiment un cauchemar. Quand t'arrives en région parisienne, tu te dis, mais attends, je vois flou, c'est comment là? Oui, alors ça c'est pour nous, celle-là. Ah, petit lag. Non mais mate, il était collé à moi, c'est pas possible. Non, reviens, reviens frérot. Oh, ça va être un cauchemar celle-là. Hein. Oh, il remet ça au middle, j'y crois pas. Ça va être un cauchemar. C'est pas grave. Ce sera juste un petit match perdu, mais bon, ça je vous le dis, ce match est perdu d'avance. Oh oh, je l'ai pas, il l'a pas, il y a but. Putain, c'est terrifiant. Et en face, ça joue bien. Et il va leur rendre le ballon. Oh mais non, c'est pas mal. J'ai, frérot, tu t'as vu que j'y allais. Bon, bah, attends. Oui, alors celle-là, elle est pour moi. Ok. Attention. Oh, bien joué. Pique le boost et on y va. Ok. C'est moi où mon mate était... Putain, c'est... Bon, je crois que je vais pouvoir abandonner ce match. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour le retour. Parce que le retour, c'est pire. Parce que c'est pas que des restaurants. Parce que le restaurant, on a eu le même problème le lendemain et le surlendemain. Où en gros, bah, on avait fait toute une journée à Europa Park. Et le soir, on est rentré genre à 20h. Et pareil, il n'y avait rien d'ouvert. Et on voulait pas refaire une demi-heure ou une heure de route. Parce qu'on avait vraiment... une grosse journée dans les pattes, putain j'ai loupé. Ah je suis dégoûté. Et donc du coup on n'a pas mangé le deuxième jour, le soir. Le midi on a mangé que des trucs à Europa Park. Et honnêtement j'étais choqué à quel point c'était pas cher. Genre vraiment par rapport à certains parcs d'attractions où ça coûte méga cher. Tu payes genre 10€ une part de pizza, voire même plus des fois. Alors que là tu pouvais avoir des bretzels, des hot dogs pour facile 5-6€. C'était vraiment la moitié des prix habituels que je voyais dans d'autres parcs d'attractions. Alors que c'est genre le plus grand parc d'attractions d'Europe. Et ça, ça nous a fait plaisir parce qu'on a pu acheter pas mal de trucs à manger sans se ruiner. Comme c'est le cas dans 90% des parcs d'attractions. Mon mate, il va y aller. Ok. Allez frérot, joue un peu s'il te plaît. Joue un peu, fais-nous plaisir. Oh, j'ai loupé. Oh, j'ai loupé. Bon, my bad. My bad, my bad. Bon, on annule ce match, il s'est rien passé. Et en gros, on n'a pas mangé le G2, donc ça, c'était déjà la galère. Et alors, ce qui s'est passé par rapport à notre retour, c'est que, dites-vous, on a à peu près 6 heures de route. C'est déjà un peu énorme, mais voilà, 6 heures de route, en voiture, tout se passe bien. Sauf que ce qui s'était passé durant les derniers jours, c'est que sur la voiture de Macha, il y a eu un petit problème, c'est que les essuie-glaces répondaient de moins en moins. Problématique quand ils annoncent de la pluie, mais on s'est dit, bon, pas si grave. Pas si grave, pas si grave. On commence à rouler et tout, on fait la première demi-heure, et puis les essuie-glaces répondent de moins en moins. Vous voyez venir le problème, au bout d'un moment, les essuie-glaces s'arrêtent complètement et ils ne s'activent plus du tout. Donc là, le problème pour ceux qui n'ont pas de voiture, c'est que quand t'as pas d'essuie-glaces et qu'il pleut à la mort, bah en vrai, la plupart du temps sur ton pare-brise, tu vois vraiment plus rien. Donc, il y a un moment où on était là, heureusement on était sur des petites routes, et où on ne voyait plus la route, hein. On voyait clairement plus rien, et on s'est dit, bah attends, il nous reste 90% de notre trajet, et il n'y a plus rien qui marche. Et on s'est dit, il est quasiment midi, toutes les trucs de garage étaient fermés, et nous, fallait qu'on aille chercher les chats, enfin qu'on revienne pour les chats, parce que, bah, on s'inquiétait un petit peu. Et donc du coup, au début, on s'est dit, bon, on va pas aller dans un garage et tout, c'était un peu la panique. Heureusement, mon père a eu une solution de fou furieux. Mon père qui me dit,
il y a des produits qui existent anti-pluie sur les pare-brises. Je me dis, mais attends, quoi? Il me dit, ouais, c'est fait pour les cockpits d'avion et tout. Je crois que maintenant, ils en vendent. Je me dis, ok, bon, on verra en cas de galère au garage. On arrive au garage, on se dit, vas-y, let's go, ils vont régler le problème, ça devrait bien se passer. Ça va nous prendre un peu de temps. Ce qui nous faisait chier, c'est que si, bah, ça allait sûrement nous coûter un peu, mais on s'est dit, vas-y, on n'a pas le choix de toute façon. Si on veut rentrer chez nous, on n'a pas le choix. Donc, on va au garage, il était genre 11h15, 11h30, il fermait à midi. On s'est dit, bon, ça se trouve, c'est juste un fusible, un petit truc qui a pété. Ça devrait bien se passer. On s'est dit, il n'y a pas de raison que... Oh, c'est à côté. Merde. Attendez. Ah, c'est un cauchemar, ce match. Dis. Ouais. Oh, bien joué, lui. On s'est dit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Au pire, il nous redirigera vers ailleurs. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui font que ça devrait bien se passer. Quelle ne fut pas notre stupeur quand le garagiste était un peu en mode « Ouais, non, je peux pas régler votre problème » avant même de l'avoir regardé. On s'est dit « Comment ça, mon ref ?» On lui a expliqué « Frérot, si tu répares pas notre voiture, on peut pas repartir, en fait. Et on est potentiellement bloqué ici alors qu'on n'a pas d'endroit pour dormir et qu'on n'a rien prévu, quoi. C'est la merde. C'est la merde de fou. » Et le mec était en mode « Oui, non, on n'a pas ce qu'il faut pour réparer, c'est pas possible, revenez demain. » On dit « Mais frérot, on n'habite pas là, en fait, genre, au secours, aide-nous, tu es garagiste, regarde-moi s'il y a un problème. » On force un petit peu, vraiment, il dit « Bon, je vais regarder ce que c'est. » On se dit « Bon, ok, vas-y. » Ça se trouve, c'est pas grand-chose, on lui dit « On pense que c'est un fusible. » Il ouvre le truc des fusibles, il nous dit « Vous avez le manuel d'utilisation ?» On se dit « Comment ça, mon ref ?» C'est-à-dire parce que t'es censé y connaître un animal. Le mec regarde le petit manuel d'utilisation. On se dit « Mais attends, il y connaît autant que nous, en fait, à l'aide. » Donc, il regarde et tout. Et au bout de 2 minutes, il dit « Non, bah, y a pas de problème. Les fusibles sont en bonne santé. Regardez, il nous en sort un. Il nous montre un truc. Je suis en mode « Je ne sais pas du tout ce que ça représente, mais ok, d'accord. » Bah, c'est un bon truc, donc il nous dit c'est le moteur qui a lâché. On se dit ok, mais ça veut dire quoi du coup? Parce que ouais, mais nous on veut des solutions, tu vois. Ok, il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il nous dit ben on n'a pas la pièce, je vais regarder, mais normalement bah, c'est pas possible de réparer avant demain. On dit mais c'est-à-dire genre il y a un problème, vous êtes ouvert toute la journée, il n'y a pas moyen d'avoir un moteur. Non, il faut le commander et tout. On se dit, bon, ok, d'accord, tant pis, quoi. On se dit, mais est-ce que vous pouvez regarder un petit peu si à proximité il y en a, quoi? Parce que nous, on a besoin d'une solution, on est bloqué, aidez-nous, quoi. Il pleut à la mort, on pouvait vraiment plus bouger. Dites-vous, on était obligé de rouler avec les fenêtres ouvertes pour regarder à l'extérieur, pour voir devant nous. Parce que du coup, c'était méga dangereux. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on a abandonné parce que le mec savait même pas nous dire s'il y avait un moteur à proximité. Donc, on s'est dit, bon, allez, mon œil, le moteur qui lâche. Ah ouais, non, mais je te jure, il voulait pas taffer. C'est exactement ça. En plus, on s'est dit, il est 11h15, c'est sûr, il veut aller bouffer et il a pas envie de bosser. C'était trop chiant. Quel casse-couille. Ah non, mais attends, puis c'est que le début des problèmes, parce que du coup, on s'est dit, c'est un cauchemar. Bref, en gros, donc, on commence à rouler et tout, parce que du coup, il fallait qu'on trouve une solution. On se dit, vas-y, on va chercher ce fameux produit que mon père m'a parlé, parce que bah, s'il n'y a pas de garagiste, ce qui était le cas, on ne trouvait pas de garagiste à proximité, le plus proche était à 1 heure de route, et on s'est dit, mais c'est impossible qu'on roule 1 heure comme ça. C'est beaucoup trop dangereux, on ne va pas prendre de risques pour faire un accident, donc on va attendre un peu qu'il fasse qu'il pue de pluie, et en attendant on va chercher un Oroto ou un magasin pour vendre ce genre de produit, quoi. On arrive à un Oroto, au bout de... on n'avait pas mis beaucoup de temps, on avait réussi à en avoir un à moins de 10 minutes de route, et on arrive, on cherche pendant genre 20-30 minutes et on ne trouve pas le produit. On ne trouve pas ce fucking produit, et c'est le seul produit et la seule marque qui existe, et on la trouvait pas. On était en mode, mais c'est un cauchemar, on va jamais réussir à rentrer. Dites-vous, on avait déjà pris plus 1 heure sur notre trajet déjà à ce moment-là. On avait déjà fait plus 1 heure. Donc on galère et tout, et au bout d'un moment, genre vraiment à un endroit hyper, hyper caché, on trouve ce fameux produit, et vraiment il y en avait plus que 3 ou 4. On s'est dit, oh mon dieu, on l'a trouvé, sachant que entre temps on avait trouvé un produit mais anti-brouillard. On s'est dit, bon, ça a pas marché, donc on va pas le prendre. Donc ouais, on teste ça. On se dit, vas-y, let's go. On avait pris du coup plus une demi-heure, donc là on était à 1h30 en plus, sachant que c'est pas des heures où t'es en repos, parce que bah on était un peu en panique. On s'est dit, ça se trouve on va pas rentrer,
C'était la panique. Et donc au bout d'un moment, on trouve ce fameux produit, on l'installe, et donc on se dit, vas-y, on va faire la pause de repas, etc. Donc on reprend plus une heure, donc en gros, on a eu plus 2h30 de trajet, et au final, on a mis le produit, et ça a super bien fonctionné. Donc honnêtement, si ça vous arrive un jour, ou si ça arrive à quelqu'un, n'hésitez pas à leur recommander ça, parce que honnêtement, le produit marchait super bien, c'est une espèce de graisse... synthétique que vous mettez sur votre pare-brise et qui en gros repousse les gouttes de pluie et les fait partir plus haut quoi. Donc, ce qui fait que l'eau ne stagne pas sur le pare-brise et que du coup vous n'avez pas besoin de d'utiliser d'essuie-glace quoi. T'appelles les flics qui vont t'aider. Ah ouais non mais je te jure, on était en train de réfléchir à tout et n'importe quoi justement pour trouver des solutions et je me suis dit mais... On va finir par revenir à là, c'est pas possible, et dire les gars, aidez-nous en fait, personne ne veut nous aider, c'est un cauchemar. Mais heureusement ce produit nous a sauvés, on a pu rouler du coup après les 6 heures d'après, parce qu'en gros on avait fait une heure de route, même pas, donc on a pu faire les 6 heures d'après tranquille avec le produit, et bah, ça nous a permis du coup de rentrer en faisant à peu près, on est parti vers 10h, on est rentré vers 19h à peu près, on était exténués, et c'était vraiment le trajet du cauchemar, vraiment, nous, on était en PLS parce que, bah, genre, il pleuvait énormément, il faisait pas beau, et c'était une route nationale, genre, Windows XP, donc c'était très difficile, mais au final, on est rentré, on n'a pas encore réglé le problème, mais en tout cas, on est sain et sauf, on n'a pas eu d'accident, c'est ça qu'on avait le plus peur, parce que on craignait un peu pour les chats, mais ce qui nous faisait vraiment peur, c'est que nous... Bah, il nous arrive quelque chose parce qu'on voit pas, très bien, on n'avait pas beaucoup de visibilité quoi. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi, on n'est pas à l'abri que bah, qu'un mec fasse une sortie de route et que bah, nous aussi parce qu'on est en galère, il joue bien en face, hein, il joue bien. Mais voilà, voilà en gros à peu près le problème. Et l'autre truc qui était drôle, c'est quand on est rentré, les chats étaient vraiment tout calme et tout, et on se dit. Tiens, ça sent un peu, et c'est normal, ça faisait 4 jours qu'on n'avait pas changé la litière, et là je vous raconte pas ce qu'on avait dans la litière, mon dieu, ils s'étaient organisés les deux, parce qu'en gros on a 2 litières, pour avoir une litière pour faire les petits besoins, et une litière pour faire les gros besoins, donc en gros la litière de l'entrée pour les gros besoins, je vous explique pas le bordel, hein. Oh, ça sentait dans tout l'appart, j'ai jamais vu ça, et ouais, ils se sont organisés quand on n'était pas là, en mode vraiment, celui-là c'est pour les petits besoins, celui-là pour les gros, et je me suis dit, mais ils sont trop forts en fait, ils ont une organisation de fourmis, c'est très drôle, du coup voilà, et au final, ils allaient bien, Gigi un peu grossi, je vous avoue que il a dû pas mal manger avec les croquettes qui tombent automatiquement là, je pense qu'il s'est goinfré un peu, donc on va essayer de réduire un peu ça, parce que Le petit Gigi est devenu un moyen gros Gigi. Donc voilà. Oh, hein, c'est à côté. Et il va falloir qu'on aille chez le veto pour aller stériliser à coup parce qu'elle n'est pas encore stérilisée. Elle est éligible entre guillemets à la stérilisation depuis quelques jours. Donc ça va bientôt être le petit passage pas très cool chez le veto. Il est en train de m'arracher la jambe d'ailleurs à coup. Mais voilà, à coup va devenir une grande fille. Voilà. Bah, ça c'est but hein. Non, c'est bon. Ok, allez, mate, vas-y. Vas-y, mate. Mate. Ouais, ouais. Pas si mal. C'est de la merde. Et on s'en sort pas mal hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je dis ça, on va prendre un but. Oh, c'est moi qui le mets. C'est moi qui le mets, le con. Mais voilà, à peu près pour l'histoire du nouvel an et les dingueries qui nous sont arrivées. Franchement, c'était... Je vous l'ai dit, c'était incroyable parce que franchement, Europa Park, pour ceux qui l'ont jamais fait, honnêtement, c'est le plus compliqué, c'est d'aller sur place parce que c'est vraiment pas si cher par rapport à Disney ou d'autres parcs qui sont vraiment chers. Europa Park, c'est vraiment un parc qui est très rentable. Surtout que là, notre période était vraiment bien choisie parce qu'il pleuvait un peu, donc les gens n'étaient pas hyper nombreux. Dites-vous, au maximum, on a eu genre 35 minutes d'attente et au minimum, il y a des attractions où on avait vraiment... Genre 20 personnes qui attendaient et donc moins d'une minute d'attente. Il y a des fois où même on arrivait dans la file et on montait direct dans une attraction. Et je vous parle pas de micro-attractions ou des trucs pour enfants. Non, non, je parle d'attractions qui sont des grosses attractions du parc et qui sont des attractions qui peuvent aller jusqu'à une heure de une heure voire plus en grosse période estivale par exemple. Le mate, c'est pas possible comment il est nul. Oh là là. Mais voilà à peu près pour ça, et franchement c'était incroyable. Je sais pas si vous êtes adepte des parcs d'attractions, mais c'est vrai que
Vous avez vu comment j'ai repop, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'était, c'était trop trop bien. Moi, c'est un truc que j'aime énormément, mais j'ai un peu le vertige, donc certaines attractions me mettent en PLS, mais c'était trop cool. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup déconnecté. Et puis, Matcha adore les parcs d'attractions, donc c'était l'occasion. Et puis, Europa Park, c'est quand même un truc de fou, quoi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés ou qui prévoient d'y aller un jour. Hop. Oh là, oh là là, let's go. Let's go. Par contre, attends, il commence à faire un peu noir. Faudrait que j'allume mes lumières, mais... Putain, j'ai un coup sur les jambes, je peux même pas. Je sais pas si c'est trop sombre ou pas. Non, ça va encore. Ça va, ça va. Allez, vas-y le mate. Oui, open. Non, il a pas tiré assez fort. Ok. Non, mais c'est un cauchemar ce mate. Oh, la luck. Oh, alors peut-être que ça va remonter. Sinon, vous faites quoi de beau pendant le stream, les amis? Ça fait quoi de beau? Ça fait quoi de beau? Oh, le Nico, il t'a fait une frappe là. Je suis sûr que c'était pas calculé ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va streamer jusqu'à 19h d'ailleurs, les amis. Attends, j'ai commencé à quelle heure? J'ai commencé à 16h. Ouais, on va faire 19h aujourd'hui. Maximum. Voilà. Parce que je vous jure que ça m'a fait trop bizarre de lancer le stream. Et surtout, je. Comme l'a dit elle, effectivement, je suis un poil fatigué encore du. Oh non! Du nouvel an. C'est le trajet d'hier qui m'a flingué. Non. Mais j'étais tellement content de restream que final, ça se ressent pas vraiment. L'adrénaline prend quand même le dessus. Vas-y mate, vas-y mate, vas-y mate. Allez, mais joue, mais c'est pas vrai. Oh là là. Je joue à Gem of War. Oh nice. C'est quoi comme jeu? Je connais pas du tout. Ok. Alors là. Et c'est touché. Allez. Allez, mate. Ok, bien, bien, bien. Oui, c'est bien, on met de la pression. Et merde. T'inquiète, je gère, mate. Voilà. Ok, parfait, vas-y. Allez, reste 8 minutes, c'est possible. Oh, à coup, elle s'est barrée. Par contre, vraiment, il y a un gardien. C'est excellent. Oh non. Il y a un gardien, c'est trop relou. Il sort pas de ses cages. Oh frérot, elle est pour moi celle-là. Oh non, je sais pas tirer en l'air. Ça c'est le seul problème, c'est qu'en l'air j'arrive pas pour l'instant à faire des gauche-droite. Je maîtrise pas trop la situation encore. Vas-y mate, tire, tire. J'aurais dû y aller, j'avais pas vu que c'était une passe. Ok. Ok. Il va faire une connerie. Allez mate, je t'en supplie mate. Oui, oui. À 15 secondes de la fin, let's go. Attendez. Là, oh, les lights. Ah, j'ai éteint. Ok. Ok. En quoi ça touche les essuie-glaces, le moteur? Ah oui, le moteur en gros, parce qu'il y a un moteur pour les essuie-glaces apparemment électrique. Et c'est ça qui aurait potentiellement lâché de ce qu'il nous a dit le frérot. Ok. Non. Allez, allez, allez. Alors peut-être. Tombera pas mon gars. Oh putain, je suis mauvais. C'est pas grave, c'est pas grave. Et franchement, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Je vais lire ce que t'as mis juste après le match à elle. Allez mate. Ok, pas si mal, j'y vais. Ok. Allez mate, mais fonce, je t'en supplie. Il a fait son meilleur flic le frérot. Je pense que c'est le plus beau flic qu'il a jamais calé de sa carrière. Non, non, ça c'est la merde. Pourquoi il m'a... Ouais, c'est peut-être moi qui ai un peu cut. Ok. Oh ça. Let's go. Et merde, je l'ai remis sur lui. Punaise. Ok, ça va bien se passer. Ça va. Et c'est cut. Allez, vas-y, 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 mate. Vas-y. Vas-y, vas-y. Allo, mate. Pourquoi ils sautent d'aussi loin? Eux, ils jouent tellement safe. Ils nous laissent des espaces de malade mental. Oh! Il est complètement fou. Reste pas en dessous, je t'en supplie, mate. C'est but. Oh oui, alors là. Allez, allez. Non, mais...
Oh mais t'es pas de la merde, je suis loin, je t'en supplie. Oui, c'est très bien ça. Oh la vache. Ok. J'ai estimé pour le niveau 71 et merci beaucoup pour le lurk. Ah mais il est complètement fou. Hein. Allez vas-y, jump. Ouais. Ouais. Alors peut-être. Oh, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Let's go. Let's go. Voilà. C'est un jeu un peu Candy Crush où tu dois acheter des orbes de couleur, mais là c'est un peu pour déclencher les pouvoirs de ta team et défendre tes adversaires. Ok, nice. C'est un jeu solo ou un jeu multi? Parce que si tu me dis Candy Crush, je suppose que c'est solo, mais comme tu dis défoncer les adversaires, je me dis ah ouais, ça se trouve c'est PVP. Ok, donc on passe div 2. Et en vrai, pas si mal, hein. Pas si mal, diamant 1, div 2, pas si mal. Vous voyez, j'ai même pas encore gagné 5 victoires cette saison. Au début de la journée, j'étais à 2 victoires, donc ça fait plaisir. Et le petit diamond 1, div 2, je suis à 852 MMR, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. En vrai, on peut viser peut-être diamant 2 aujourd'hui. On peut peut-être viser diamant 2. Sachant que là, on va jouer avec des diamants, donc ça va être quand même un peu mieux. Surtout si je risque de me faire battre en termes de vitesse de jeu et en termes d'aérienne. Mais bon, jeu solo, mais tu peux faire une guilde et faire tes 4 bonus et t'as du PVP. Trop bien en vrai. Stylé. Stylé, stylé. Oh non, le mate il est AFK. Sérieux. Ah, il est là, c'est bon, il est là. Vas-y, pour toi. Alors, on va voir s'il est bon tout de suite. Oh, oh putain, oui. Oh oui. Oh oui. Oh bah alors, c'est moi qui annule. Oh, il a fait une dinguerie. Ok, je crois qu'on a un mate de... Bon, je sais pas tirer encore, les amis, mais ça va venir. Par contre, ce terrain avec les... Oh, il va péter un plomb. Je joue comme du n'importe quoi. Je le regarde passer. C'est terrible. Oh oui. Oh, il est trop fort. Enfin, trop fort. Non, mais... Par rapport au mate que j'ai pu avoir en platine... C'est mon mate qui a détruit ou pas? Oh oh. Oh oh. Ok. J'ai tellement hâte de refaire du Minecraft aussi les amis, parce que dites-vous que là en off, je n'ai quasiment joué à rien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à des jeux vidéo tout court là. Il est trop fort. Oh, il a une conduite de balle, je vous jure. Attends, mais même en face. Non bah il a pas de chance, il a pas de chance. Pas de problème, pas de problème. Le mec est trop fort. Et par contre ça c'était pas volontaire je pense. Mais non, lui il a voulu tirer. Ouais, de toute façon, il l'aurait eu derrière. Mais là, on peut large gagner avec ce mate là. Hein. Attendez, je vais essayer d'éloigner un peu mon micro. Oh, oui. Oh, celle-là, elle est pour moi, celle-là. Il chase un petit peu. Non, frère, frère. Ok. Mais non, il chase un petit peu. Non, il chase comme un malade mental, oui. Yeah. Oh là là. Oh là là. Si t'as joué à celle, c'est vrai. Wow. Ouais, depuis que je suis revenu, j'ai joué à Cell to Singularity. J'ai joué à Rocket. Et sur mon téléphone à Fallout Shelter. Oh mes frères, arrête de chase. J'ai pas de boost, frérot. Oh, je vous jure. Un coup en tout l'appart. Oui. Laisse. Non. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh. Vas-y, 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 vas-y. Contrôle de balle, ouais. Aérienne. Killing shot. Alors pourquoi il est passé d'un gars à peu près fort à un noob? Laisse, je t'en supplie. Putain, il m'a trop gêné. Je suis en turtle. Oh, quel boost. Merde. Vas-y frérot. Ok. Normalement c'est dedans. Non mate. Il se fout de ma gueule. Non il se fout de ma gueule là. Non mais frère, il joue les yeux fermés. Il joue les yeux fermés. Incroyable d'ailleurs en ce moment l'event moche, t'as vu, c'est les pièces là, enfin la monnaie, l'argent à travers les âges. Je trouve ça trop stylé en vrai. Je trouve ça vraiment stylé. Ok. Et toi, ça fait quoi de beau de ton côté moche? Ça joue à quoi de beau aujourd'hui? Oh, oh. Open. Eh merde, j'ai loupé l'open. Oh là là. Et ça va faire quoi de beau après le stream aussi?
Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Oh. Il me fait peur à Chase comme ça. Vas-y, 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 vas-y. Alors attends, parce que ça, si j'arrive à le mettre. Ok. Allez, frérot. Il a pas. Si. Ok. Allez. C'est pas vrai. Retourne-toi. Oh non, je suis nul. Pas frérot, touche pas. Il m'a pris le boost. Ah non, il me l'avait laissé. Putain, j'avais pas vu. Vas-y, vas-y. Merde. C'est mal compris avec le mate. Oh là là, quel cauchemar. Quel cauchemar cette game, je déteste cette game. Oh. Ok, pas mal, pas mal. En vrai, c'est un, si je fais pas de conneries, je pourrais monter, mais... Là, je lui fais... Pas assez confiance. Et puis lui, il me chase à mort. Tiens. Oh. Quoi? Non, ils sont trop forts. Là, ils sont trop forts. Là, ils sont trop forts pour nous. Faut savoir savoir et vaincu. Et là, c'est pareil. Hein. Ça, RL, allez. Alors, t'en es à où actuellement dans RL, moche? Quel rank? Ok, let's go, on relance tout de suite. Ah, je suis content en vrai. Je suis content parce que là, je me maintiens. Je suis pas loin du platine 3, mais je me maintiens. La dernière fois, je crois que le max qu'on a fait dans ce concept pour l'instant, les amis, c'est diamant 1. Je crois div 2 ou div 1. Bah comme là, je crois qu'on était pile à notre max. Et un div 2 là, eh, incroyable comme nous. Let's go ça. Let's go, let's go. Alors là, celle-là, c'est pour moi. J'arrête de faire ça, j'avoue que... Oh non... Pas l'avoir, frérot. Ok, oh putain. Ok. Allez, mate, faut y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Non, bah, je suis avec Spider-Man. Et je vais... Non, bah vas-y. Allez, et là, on retrouve le mauvais côté de Rocket League, les Smurfs. Et moi, je suis avec un mate. Qu'est-ce qu'il me fait là, le frérot? Je suis descendu là. Eh, comme moi. Eh, on est timé comme jamais, hein. On est timé comme jamais. Ok. Frérot. Oh, je vous jure. Faut qu'on va aller jouer avec moche, hein. Que là. Oh, putain. On a. Smurfland. Et Boostland, mon mate est complètement malade mental, c'est pas possible. Je vais le signaler pour Nobitude. Hé hey, non, le chat, non. Non. Il est en train de défoncer le linge. Je dis ouais, cool, ça, les lettres sont tellement oranges que je vois même pas celle-quelle des deux. Je crois que c'était Gigi. Ok. Alors peut-être, KS Ultra, le joueur le plus nul de Rocket League. Et non. Ouais, forcément. Mais non, merci MyBronda pour le sub. Incroyable, merci beaucoup pour le sub, ça fait plaisir. Je crois que c'est ton premier en plus. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Et surtout bonne année. Oh là là, incroyable. Il nous envoie son sub, il nous claque le sub à la gueule. C'est incroyable. Oh oui. Oh le mate. Oh, j'ai même pas honoré ce tir. Oh, je refais une barre. C'est terrifiant. Bonne année, merci à toi aussi. Comment vas-tu? Oh là là, magnifique. Et là, t'arrives de la meilleure des manières. Mais quel prince. Quel prince. Comment ça va, my Bruda? Ça a fait quoi de beau pour ces fêtes de fin d'année? Et ça fait 2 semaines que j'ai pas stream. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je vous ai pas vu, les amis. Attention, alors là, c'est pour moi, celle-là. Non, mate. C'est pas si mal. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est incroyable. Let's go. Let's go, voilà. Oh, le KS Ultra, il m'a fait une passe, le frérot. Ah, il était inspiré, là. Là, il était inspiré, ça fait plaisir. Alors, peut-être, est-ce que la remontada est possible? J'y crois à mort. Moi, j'y crois, j'y crois. Et est-ce que vous, vous y croyez? C'est ça, la vraie question. Bon, alors là, à la retombée. Hop, ça arrondit sur le... Mate, t'es là? Ouais. Oh, quel dommage.
Jouer à lui. Oh. Oh oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est pas vrai. Allez, vas-y, 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 vas-y. Middle. Oh, il m'a vu. Oh non, il a pas de chance. Oh, il a pas de chance. Oh là, c'était pas mal. Rien fait de spécial, mais de bonnes fêtes quand même. Ah, ça fait plaisir, ça. Nice. Ok. Non. Mais non, mais hein, c'est pas mon mate qui a fait ça. Mais il est complètement fou, lui. T'inquiète, mate, je suis dessus. Bon, bah. J'aurais dû lui faire la passe, mais je sais pas, je le sentais pas. Oh, c'est quoi cette passe de malade mental qui m'a fait là? Ok. Oh! Bien joué, bien joué. Je vais m'excuser quand même parce que. Oh oh. Oh oui? C'est open? Oh, quel dommage qu'il soit revenu. Hop là. Oh. Oh. Mate! Il manque, t'es là, elle a retombé! Oui, 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 open, 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 open. Quoi? C'est pas possible qu'il ait arrêté ça, je peux pas y croire. Oh, quel enfer. Oh. Mais non, mais c'est un smurf de fou. Mais on est en diamant 1, il fait des moves de diamant 3. Fait chier, non. Non, mais les gars, regardez-moi ça. Le mec qui fait sa meilleure double tap. Non, mais... à l'aide, à l'aide. Et ça fait quoi de bon ce début d'année du coup, my brother? Oui. Oh, lui. Ça va être galère ce match, hein, parce que le problème c'est qu'on a un smurf en face. Donc le mec arrête tout. Le mec fait des frappes de malade. Ah, je pouvais rien faire de plus, je pouvais rien faire de plus. Attention, c'est le danger, lui. Attention, c'est le danger. Bien joué. Ça rentre direct, let's go. Let's go, les amis. Eh bien, ça geek, allez. Ça geek sur quoi, là? Ça joue... Ouah, je sais plus parler. Ça joue sur quoi en... Ça joue à quoi en ce début d'année? Hey, moi, je reviens, je suis défoncé, là. J'ai plus d'énergie. Je suis rincé. Mais ce début d'année de stream va me remplir d'énergie. Allez, my bad. Hello, Cibé. Et j'ai pour les 10 pièces. Comment on va, Cibé? Comment on va? Et surtout, bonne année. Et bonne année, Lem. Mais non, le retour. Et oui, je suis de retour. Lem Pika pour vous. Je suis à mauvais tour. Comment ça va? Oh là là. Allez. Allez, on repart. Oh putain. Attends. Eh, hey, Moche, est-ce que tu es à proximité, Moche? Est-ce que tu veux jouer à Rocket League? Parce que là, je suis en galère. Je suis en galère de mate. Bon, en vrai, c'était pas mon mate. C'était moi qui fais de la merde. Mais c'est qu'il y a eu un smurf en face. Très bien, bonne année. Allez, bonne année à toi aussi. Ça fait plaisir. Ça a fait quoi de bon cette fin d'année, CBLM? Bonne année encore une fois. Merci. Et moi, ça va très, très bien. Comme je disais, je suis un peu fatigué. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est un petit stream. On va stream jusqu'à environ 19h. Et ça va super bien. On a annoncé un peu le programme. On a mis en place des petites nouveautés. Il y a pas mal de trucs qui sont arrivés. LM, parce que toi tu joues à un max à Zelda, mais les petits cadeaux de Noël aussi qui sont juste là avec TOTK qui se situe juste ici. Voilà, c'est incroyable. Dinguerie. C'est une dinguerie. Et puis, ouais, pas mal de nouvelles choses pour 2024. Je suis trop content de commencer cette nouvelle année avec vous. Et que vous soyez déjà aussi nombreux à être de retour, ça fait plaisir. Voilà. Dispo, moi si tu veux. Ouais, mais toi t'es plus fort, si, mais toi tu vas nous carry beaucoup trop. Alors que moi, là on a le même niveau, même MMR. J'ai dit, je fais soit de la solo queue ou soit je joue avec quelqu'un qui a exactement le même niveau ou MMR. Voilà. Je suis avec Will si tu veux. Ah ouais, mais vous êtes en 3v3. Bon bah alors, je jouerai peut-être avec vous après, alors, après le stream. Je vais essayer de grind en 2v2 et je jouerai peut-être avec vous en hors stream parce que je suis pas classé en 3v3 et comme c'est en 2v2 le truc, j'ai fait beaucoup de merde en ce moment. Oui, mais t'as un niveau champion, hein, quand même.
voire plus sur certains jours. Voilà. Moi aussi je fais du caca. Moi aussi je fais du caca. Oh là là. Ok. Allez, les amis, c'est parti. Détroit, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et nous, pour l'instant, on est sur le match potentiellement la descente en platine 3. On a commencé le stream en platine 3 justement. Et j'ai un niveau de diamant 1 maximum. Non, on me dit pas que c'est encore un... Non, c'est bon, c'est pas un smurf. Bien joué ça. Bien joué monsieur. Oups ça. Passer un... Oh si quand même. Je suis plâtre 1 en 3v3. Ah ouais. J'avoue que là moi 3v3, cette saison j'avoue que j'ai un peu délaissé Rocket League. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'influenceurs, enfin créateurs de contenu, influenceurs slash youtubeurs, qui ont fait pas mal de vidéos sur Rocket League. Je pense qu'en ce moment il y a une petite nostalgie qui est en train de se créer et que le jeu est gentiment en train de s'éteindre. Donc j'espère que les prochaines mises à jour vont un peu bouger les choses, parce que je sens que là on est sur une ère qui est en train de petit à petit s'éteindre, et ça me fait pas plaisir, parce que pour moi c'est un des meilleurs jeux compétitifs du monde, voire le meilleur jeu compétitif. Allez frérot, c'est pas vrai qu'il m'a loupé ça. Oh la vache. Oh. Terrifiant ce que je vois. C'est terrifiant ce que je vois. Essayer de l'arrêter. Oh oh, il m'a pris le boost. Oh oui. Allez mate, tire toutes tes forces. Oh, c'est pas vrai qu'il tire pas droit. Oh, puis le boost qui repop pas. Oh magnifique. Oh, il fait des frappes par contre le frère. Ok. J'y vais parce qu'il y va pas. Hein. Oh non, c'était open. Pas tant que ça, mais. Il va se faire démo, il va se faire démo. Mais... Allez. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce match? C'est pas possible d'être aussi mauvais. Oh. Mais quoi? Mais comment ça rentre pas? Oh merde. Oh non. C'est pas vrai. Heureusement qu'on gagne, hein. Putain, mais ils sont complètement bourrés ou quoi? Ils sont complètement bourrés ou quoi? On prend pas le boost. Oui, 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 oui. Allez. Peut-être. Allez, mais il faut y aller, hein. T'as bien vu que je suis au plafond, là. C'est terrifiant, il va pas au ballon. Pourquoi tu back? Ok, c'est bon, c'est bon. Oh là là, c'est terriblement dur ce retour. Hein. En... Sur Rocket. Vous jouez toujours aussi régulièrement à Rocket League pour ceux qui ont l'habitude de jouer? Ou vous avez un petit peu réduit cette saison par rapport aux précédentes? Voilà, il m'a fait peur lui. Personne au but. J'ai pas de mate non plus, c'est pas vrai. Vas-y. Oh. Allez, mate. Putain, c'est une passe de fou qu'il leur fait. Ça va, il se bat, il se bat. En vrai, j'ai peur parce qu'on peut perdre ce match. Je joue de moins en moins, on est d'accord. Je suis obligé de faire ça. J'en suis plus, récupère l'avant qu'elle tombe. Mais non, mais récupère l'avant qu'elle tombe. Mate. Est-ce qu'il y a une raison en particulier, Sibé, ou c'est juste... Je sais que moi, je pense que indirectement, bon là, c'était parce que j'étais pas dispo. Et c'est dû... fait que le Rocket Pass est pas intéressant. En grande partie pour moi. Non, mais... Non! Pas une frappe à 10 km/h! Non, mais c'est pas vrai. Attends, mais... Et comment... de ce que je vois, t'as un meilleur jeu que moi. Ah ouais, non, en vrai, je suis pas très très bon aujourd'hui. C'est gentil, ça fait plaisir, mais...
bordel. Ah, j'avoue que là, je suis catastrophique aujourd'hui. Hein. Je suis catastrophique. Youssef qui va rejoindre notre groupe. Et Youssef, on joue en solo queue aujourd'hui. Mais n'hésite pas. T'es un ami, Youssef. Ok. Et moi aussi, je joue de moins en moins. Je sais pas s'il y a une raison en particulier ou si c'était. Après, c'est vrai que j'ai pas mal d'autres jeux aussi. Aussi ça. Je fais de la merde là, je fais de la merde. Le mec t'es pas là. Il fait. Allez, arrête là. Oh. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais on est en diamant 1 ou on est en. On est en carton pâte là. Jure, le niveau de jeu là dans cette game est catastrophique. Autant le mien, celui de mon mate, celui des adversaires. Rien ne va. Hein. Regardez, j'arrive à passer au-dessus d'un gars en étant à 10 km/h. Ok. Ok. Oh, la frappe de fou! Let's go! Trop souvent de super, enfin mon goût et mon pote est moins souvent là. Ça c'est vrai que c'est un constat qui m'arrive souvent de faire, mais je le fais souvent en stream et certains sont pas d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'il y a trop de smurfs sur ce jeu. Mais je comprends pas pourquoi ils font rien contre, ils avaient dit qu'ils feraient quelque chose et ils ont toujours rien fait. Pourtant le principe est super simple, il suffirait juste de quand t'as un compte smurf, t'es obligé d'être au moins niveau 20 je pense, et que tu peux pas jouer avec un pote si t'es pas niveau 20 en multi, comme ça il y aurait moins de smurfs en fait. J'ai regardé la première redite chez Zelda. Est-ce que Vincent, tu étais belle en Zelda, y'a pas? Au secours, c'est gentil, là. En plus, avec l'emote, là, c'est terrifiant. Ah ouais, non, le premier stream Zelda Skyward Sword, c'était très très drôle. Hein. Et justement, là, ça va sortir. Il va y avoir une dizaine de streams qui vont sortir. Alors, aujourd'hui, ce soir, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai été concentré à bosser le stream, donc j'ai pas encore fait la miniature et tout, mais dès demain vous aurez le prochain épisode qui va sortir et ça va être bien cool. Tout est dispo sur la chaîne YouTube. Mate, j'ai pas de mate. Allô, j'ai pas de mate. Il est parti ou quoi? Il a quitté le match? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Mais C'est un cauchemar. Ok. Allez. J'en supplie, rattrape-toi. Voilà. Ça, c'est du bon kick-off, ça. Oh non, j'ai loupé. Voilà, c'est but, hein. Oh, mais il est toujours pas au but. Mais attends, mais j'ai jamais vu un placement aussi catastrophique. Ouais, juste Patrick. Allez, frérot, c'est pour moi, celle-là. Hop. Allez, vas-y. The fuck? Et pas si mal. Oh le fake! C'était open! Non, c'était open! Sérieux! Ok. Oh non! Open. Merde, j'ai pas bump. Il a loupé le ballon! Mais non, mais c'est pas vrai! Non, mais c'est aussi un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de smurfs, mais il y a aussi beaucoup de. Bon, il y a aussi beaucoup de boostés hein, dans les lobbies. Genre là, typiquement, mon mate est catastrophique. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Je suis pas forcément mieux, hein, mais... Attends, mais... Bon, au moins, il va au kick-off. Pour être pire. Pas si mauvais, ces kick-off. Vas-y. Le seul problème, c'est ses placements. Il est tellement loin à chaque fois. Oh, puis eux, ils nous font des dingueries. Ah, j'ai peur! Let's go! J'ai eu tellement peur, je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire, mais let's go, c'est fait! Voilà! Allez! 2-1. Putain, j'ai tellement faim, les amis. Par contre, il est 17h, j'ai maxi faim. Bon, j'avoue, j'ai pas mangé énormément, mais. Là. Ce qui. Je sais pas si je fais une petite pause. J'aurais peut-être une petite pause à 18h. Juste pour manger un micro truc parce que... Oui, allez. Ça, j'arrive jamais à me retourner comme il faut. Ok. Ok, laisse mate. Oh, c'est pas vrai. Et l'autre, il est déjà placé au but. Tu sais pas pourquoi il est placé là.
faire de la merde. Si on gagne ce match, ça sera proche du miracle. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, le frérot? T'es où? Dis-moi que tu l'arrêtes, je t'en supplie. Il hurmait. Tout à l'heure, j'ai fait un match, j'avais à peu près 800 points, mon mate en avait 50. Je comprends pas comment c'est possible en diamant, hein. Mais bon. Ah, on n'est pas en champion, les mecs sont pas hyper forts en face et on n'est pas en. On n'est pas en platine, en bas de platine où bah, tout le monde est en galère. Allez. Reviens maintenant. Allez, arrête là, je t'en supplie. Merci. Aïe aïe aïe. Ok, pas si mal. C'est même très très bien. Ah, il a pas de chance. Par contre, en face, ça cut. Hein. Le mate est où? Mais il est où? Mais il est où? Non, mais vas-y, vas-y, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous jure, c'est une blague. Il est où? Attends, mais il est où sur cette action? J'arrive même pas à le voir! Je ne le vois même pas sur le terrain. Il est tellement invisible que je le vois pas. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. T'as kiffé les miniatures, Lem? Je crois que je vais faire une pause maintenant les amis. Ça fait à peu près 1h40. Je fais une petite pause de 5 minutes et j'arrive juste après avec un petit truc à manger. J'ai ce truc à dire ça, ok. Trop kiffé, ah ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on revient juste après. J'arrive tout de suite les amis, à tout de suite. En jaune, je vais pas vous mentir, c'est jaune pisse hein. C'est jaune pisse et avec les lunettes c'est le bordel. Voilà, c'est ça que je trouve horrible, c'est la toque. Regardez moi cette toque éclatée au sol. Sur le côté ça donne ça. Côté ça donne ça, c'est, ça va. Vous voyez juste mes cheveux derrière, mais bon. Ah bah écoutez, on assume les défis jusqu'au bout ici. Qu'est-ce que... Ah non. Oh, c'est quoi qui est en face? Je sais plus c'est quoi comme Pokémon ça. Ça c'est pas un nouveau je crois. Oh, il y a des Vivaldins en face. Il est tombé! Il est tombé! Non! Oh, le camp. Il est tombé de la falaise! Parce que. Vous me dites, hein, je parle pas polo. Oh putain, je voulais dire polonais, j'ai dit palonais. Palonais. C'est pas loin. Je vais finir par croire que Matcha parle mieux que toi. Mais c'est terrible ça. C'est terrible, c'est que ça devient une insulte. Allô? Oh oui! En tout cas, n'hésitez pas à clipper et envoyer à Matcha. Hein. Enfin, je dis ça, il l'a fait 15 fois, donc bon. Merci, merci beaucoup. Je prends cet amour volontiers, surtout en ce moment, ça fait plaisir. Eh ben, ça commence bien. Oh, oh. Attends. C'est un génie, mais what the fuck. Mais attends. Mais attends, c'est pas possible! J'ai un shiny au bout d'une minute de jeu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est trop... Mais je suis même pas arrivé dans le jeu! Mais j'ai même pas eu le temps de comprendre! Mais non! Mais... C'est bizarre alors... Bizarre même... Allez! Je savais même pas qu'ils avaient un site. 1830 passé. On a déjà fait quasiment. Oh! Oh! Oh my god! Oh putain de merde! Oh! Oh! Il est là! Il est là! Il est là! Oh putain! Oh putain de merde! Oh bordel, je suis désolé. Oh bordel de merde. Waouh. Let's go. Vous me dites, hein, je parle pas polo. Oh putain, je voulais dire polonais, j'ai dit palonais. Palonais. C'est pas loin. Je vais finir par croire que Matcha parle mieux que toi. Mais c'est terrible ça. C'est terrible, c'est que ça devient une insulte. Allô? Oh oui. En tout cas, n'hésitez pas à clipper et envoyer à Matcha. Hein. Moi je dis ça.
Il l'a fait 15 fois donc. Ouais. Je veux voir tout le monde bouger dans le chat. Voilà les gars, voilà. Voilà les gars, voilà. Attention les amis. Voilà. Non mais attends, et c'est pas de ma faute là. À quel moment je pouvais prévoir que ça allait se passer comme ça? C'est juste de la luck là. N'a pas de chance. Le frère, c'est pas possible là. Oui. Hein? Attends, comment ça mon bœuf? What? Il nous a fait une Alpha 54 là. Oh là là! Excuse-moi le basketteur! Oh aïe aïe aïe! Merci. Allez. J'aimerais remercier ma mère, mon frère, salut, ma famille. Céleste. Putain. En fait, ça a des avantages ceux qui sont pas co. En fait, ceux qui n'ont pas fait tous les jeux. Et qui n'ont pas pu être disponibles, tu vois. Ou qui n'ont pas tous les jeux. Mais. C'est le jeu aussi, je pense. Parce que pour gagner le tournoi, faut peut-être faire le plus de jeux possible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Si c'est très clair, mais du coup tu penses qu'il faut quand même entre guillemets les pénaliser et faire en sorte que ce soit quand même celui qui a joué le plus. Je me suis pris un ouragan les gars, clippez-moi ça. Non mais Mathia. Ok, donc vas-y, y a pas de soucis, je te pose des questions en français, tu me réponds en jap. Un petit mot pour tes adversaires. Gambale kudasai. Très bien. Et maintenant en français pour oh bah, mais regardez-les au bout. Il y a un smile. Ok, faut le regarder, je m'en occupe. Regarde derrière nous toi. Je regarde le smile moi. Et là il y a une porte. Ah ah. Mais tu es. Ah. Mais tu es. Quoi? Mais tu es Phil. Astouf. Ok, let's go. Allez. Oh, let's go. Oui les gars, let's go. Et re les amis, re, on est reparti. Je sais pas si moi j'étais encore là ou pas, mais en vrai, peut-être chaud pour faire du 3v3 finalement, parce que j'ai peur de tomber avec beaucoup de smurf et de boosté là. Et je me dis, bon, allez, pour finir l'heure de stream, pourquoi pas faire un peu de 3v3 avec Willou et Moche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette team de 3, depuis Raft. Allez, bah écoutez, vous me dites, vous m'invitez quand vous aurez fini votre match tranquille, prenez votre temps, le temps que je me réentraîne. Hop là, let's go, allez. Et ouais, si c'est ce que j'allais dire. En termes de vocal, si vous voulez venir, je suis sur le mien. Ah, Willow qui m'invite, let's go. Attends, par contre, j'arrive pas à accepter avec la manette. Voilà, nickel. Et normalement tu pourras peut-être le move aussi dans le salon, mais je sais plus si t'avais réussi. Oh. Ouais. Bonjour messieurs. Attends. Bonne année. Attends. Attends, je vais te mettre ton son sur le stream déjà, comme ça on pourra l'entendre. Alors, vas-y. Alors, est-ce que je peux te montrer un truc? Oui. Attends, je vais au menu. Salut. Hop là. Ah, oui d'accord. Il a accès à ton en stream. Salut. Attends. De quoi? Il a les droits pour rentrer. Ah ouais? Bah oui. Bah attends, mais comment? Ah, bonne question. Il y en a, ils font mal leur serveur apparemment. Hey. Hey. Attends. Ah. Ouais, mais je suis MVP, je comprends. Gagnant du Yapathlon, oui. Bah ouais. En 2012. Ah. Hein? Allô? On a dit qu'on allô? Le prochain.
Ouais, ouais, avec, avec ces voitures-là, je pense pas. Hein. Mais c'est quoi ce cochon qui vole? parlez pas mal de mon cochon. Ouais, ouais. Laisse ce cochon tranquille. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait une voiture de Marseille aux couleurs orange et noir, mais c'est pas grave. Parce que c'est le troisième maillot, monsieur. Oui, bah le troisième maillot, tu mets pas le troisième maillot d'un club quand il y a qu'un seul truc. C'est le troisième maillot, il est trop beau. Et pourquoi il y a trois maillots? Et attends. Y en a un pour jouer, y en a deux. Oh bordel. Et un pour jouer Coupe d'Europe. Je viens de voir mes MMR. Je suis à 890. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec le Yapa TV. Moi. Et oui. Oula. Mais ça y est, on se fait boycott, les gars. On se fait boycott par Yapa TV. C'est fou. Mais non. Je l'ai feinté. Oh oui. Oh oui. La puissance du plot. Et je disais, la dernière fois qu'on a joué tous les trois, c'était à l'époque de Raft, hein, si je dis pas de conneries. Oula. Ça date, oui effectivement. Oui. C'est la team Raft originelle. Hop. Eh oui, c'est la vraie team Raft. Ils sont d'ailleurs, bourrés, d'ailleurs, quoi. Je viens d'y penser. Je me suis rendu compte qu'il manquait un clip dans le Yapaï TV. Ah ouais? Celui de Matcha, ah bah oui. Tu la traites de poubelle? Le Matcha poubelle. Hein? Allo? Non. Non, jamais, j'ai jamais fait ça, moi. Oui. Oh, Willow qui est tout seul. Oh là, ça va être dur, là. Vas-y, moi, tu peux le... Ah. Oh. Je vais essayer de la tempo. On va plus faire plus. Oh, putain. Il nous a fait des saltos. Oh! Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas compris. Attends. Ah oui! Ah oui! Asculuscu! Asculuscu! Ah, ça c'est du pseudo! Cuscu! Eh? On dirait que tu t'excuses dans une autre langue. Eh, c'est mon premier match de placement. Alors là, ça c'est. T'as jamais fait 3v3? Pas cette saison sur ce contenant. Oui, c'est vrai. Du coup, en MMR, il m'a mis à peu près en diamant 2 là. Aïe. Oh! Oh, je suis à retomber. Vas-y. Il joue bien, hein? Ah, oui. Oh, les gars. Vas-y, il moche. Oh, putain. Je suis dessus. Oh oui. Vas-y, Will. On ne fait que des passes. Je tire que. Ok. Oh. Ok, je vais essayer de l'avoir. Oh, j'ai sacrifié ma voiture. Oh oui. Yep. Je vole. Oh. Et oh ça non. Passe. T'es mal, ouais, comment regarde. Je suis passé au-dessus. T'es mal. Oh les noobs. Oh les noobs. Merci à elle pour le GG. Ah là, on mérite pas, mais. Voilà le half flip dégueulasse que j'ai fait. Je vais essayer de l'avoir. Ouais, il a calé. Oh. Quel enfer. Non mais non, je suis pas Ah, il m'a dribblé. Yeah. Oh papy. Papy Dan. Moi, je me jette. Papy Gary. Oh je merde. Pas grave, c'est pas grave. C'est toujours Askurku. Askurku. Ah mais ils sont diamant. Il y a un diamant 3 en face. Ah oui, diamant 3, ouais, diamant 2. Je viens de perdre mon diamant, hein, au fait. Ah. C'est officiel. Tu l'as perdu où? Bah là, en 2v2. On vient de le perdre. Oh là là, parce que c'est petit un diamant de manière générale. Hein. Ah, attention. Il loue peut-être. Allez, pour moi celle-là. Allez, c'est là. Ah, je pouvais pas, chef. Oui. Slingshot. Attends. Oui. Ah ouais, c'est Slingshot. Hein, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh non! J'ai fait éclair. Oh! On le y a?
Oh, let's go! Voilà! Et joyeux Noël surtout! Voilà! Et regarde-moi cette passe de moche! Et hop là! Et toc! Des cadeaux pour tout le monde! C'était un cadeau! Voilà! Tu sais que je l'ai eu dans des dans les petits cadeaux d'or là qui donnent en récompense gratuite? Je l'ai c'est toujours pas ouvert! Et bah, tu vois, dedans j'ai une animation de but, donc peut-être que t'auras ta première animation de but. Mais j'ai déjà des animations de but vu que c'était la récompense de la saison dernière au final. Ah ouais? Ah oui, t'as le caca! Oh pétard! Ouais, voilà! Et c'est moi qui l'avais! C'est qui le caca là? Le caca d'or! Alors, c'est fait passer tous les trois et moi, hop là, Ronaldo! Voilà! Vous allez voir, je vais la mettre à droite! Allez! Ah! C'était vachement à droite! Ah bon? Oui, c'est bien ah, ça! Ah, encore une fois, je la touche! Ah, je suis en roll one! Et merde! Oh! Attends, on a des démos? C'est le match du show! Il nous a démo là. Je sais pas. Oh, j'ai pu être démo. Ah, ah mais le mec il a été pumpé. Quoi? C'est ta démo. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh. Mal ça. Oh non. Eh, moche. Y'a personne. Non. Ah. Oui, j'avais pas assez de boost. Putain, ils défendent trop, c'est grave. Bah, ils étaient à deux là, hein. Sinon ça passait. Oh là là. T'ennuies là avec ces balles. Oh oh. Oh oh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du 3v3, c'est terrifiant. Ouais, moi c'est pareil. Wouh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah sérieux, je peux jouer là? Arrêtez de me bump. Oh les gars, middle. Oui. Oh oui, oui. Oh, oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ah non, non. Les gars. Là. Oh. C'est pas vrai que c'est pas rentré dedans. Pardon Willou. J'ai pas. Je maîtrise pas encore bien la manette. Oh, les aériennes c'est un peu... T'hésites 3 à y aller. T'hésites moins avec mon Will. Oh bordel. Alors, ah oui d'accord, il me fait moins combien là qu'il me fait Oh. Oh. DS. Oh, moins 5 seulement. J'ai pris moins 5 moi. Non t'as pris moins 15 toi. Ah bah ça va. Ah mais oui parce que c'est des gens plus haut là. Nous on est gold. Y a encore un diamant 3 en face, c'est terrifiant. Oh. Vas-y Willou. Ah mais non mais pas grave, c'est pas grave. Elle décolle du... J'aime pas quand elle décolle du mur comme ça. Parfait. Oh merde. Tempête de Prout qui s'appelle. Il s'appelle Tempête. Oh. T'es open. Oh non, il l'a. Il l'a pas. Il l'a non, pas, il l'a pas. Et cette animation de but, elle me fait penser à Motus. J'ai l'impression que c'est les petites boules de Motus là qui tournent. C'est okay, terrifiant. Il a fait un bon slurp des familles là, regarde. Ah là, tempête de Prout. Momo Motus, réussi B. Bon finalement Sylvain est parti en 3v3 avec Willow et Moche parce que j'en avais marre des smurfs. Oh alors là oui. Oh non, la salade. Ok. J'ai... Oui. J'ai pas. Ah moi non. Oh merde. Ben. Oh putain, je suis remis au milieu, c'est pas bon. Oh la vache, je vais essayer d'y aller. Ça va, j'ai oh, le Willow. Il nous coupe la route. Moi je t'avais pas vu. Aïe. J'ai pas. Oh la vache. Ok, j'y vais. Y'a des mots. Rien, c'est bon. Miaou. Oh oh. Bon j'ai décalé. Aïe. Ok il la touche. Oh tu m'as fait peur Willou putain. Non je vois ça Will. Ok. Oh, oui oui oui.
Oh hein? Non. Qu'est-ce que c'est que cette frappe? C'était la frappe non kebab à varier. C'est moi qui ai kebab. C'est moi qui ai kebab. Oh, putain. Attends mais... Au fort lui. C'est le platine... C'est le diamant 3. Ah oui c'est le diamant 3 ça. Ok. Il y a un platine 1, un diamant 1 et un diamant 3. C'est quoi cette team de malade mental là? Oh la tempête là. On me bat pour un boost. Ah la LED. A l'aide, je veux faire sceller. Je veux pas me laisser rentrer au bac. J'y vais. Là. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Hop là. On est sur le périph' avec Willou. Yop, oi, Chibi. Oh. Oh. Hop là. Ah. Oh le cutter. Comment ça le cutter? J'étais sur le ballon. Hein? Allô? Oh, j'ai l'habitude avec moi. Oh d'accord, on a tout de suite. Le mec qui se tire dans le mêle. Merde. Mais grave, c'est bien tenté, ça leur a fait peur. Oh oh. Hop là. Banger cette musique là. Ah oh oui. D'accord. Oh mais laissez-nous sortir au bout d'un moment. C'est dedans. Oh c'est au-dessus. Oh, what the fuck. Bonjour. Mais cette musique de mes oreilles, c'est trop fort. Mais hé. Mais laissez-moi jouer! J'en peux plus! Oh la vache! Oh! Bonjour! Mais. Ok, alors attention! Oh oui! Ça c'est beau, ça c'est. Ça c'est Rocket League! Ok, pas mal! This is Rocket League! J'ai pas assez de boost! Je back. Oh. Ouah. Non. Oh non mais. Attends. Oh là. GG pour le level up pour Willou. LM. GG. Oh 191 mais regardez-le. Mais il s'arrêtera jamais. C'est exceptionnel. Je vois le terrain tourant, je vois que dalle. C'est un enfer. Oh. Bon moi tu vois bien ta couleur. Là, je vois pas. Ouais. Je l'ai pas. Oh. Wow. Oh là là, j'étais en train de chercher mon boost, j'avais même pas vu ce qui s'est passé, regarde magnifique ce que, regarde ce que je viens de caler. Il a sauté au-dessus de moi. Oh là là, le gymnaste. Oh le gymnaste. Oh magnifique. Magnifique. Allez Willou, fais-nous ton meilleur kick-off. Moi aussi. Ah bah non. Alors. C'est pas pour moi. C'est pas ce que j'appelle le meilleur kick-off, mais c'est pas le pire. Oh, je suis un assassin, je suis un assassin. Oh merde, j'ai jeté mon corps avec ma voiture. Oh putain de... Oh. Quoi? J'y vais. C'est pas dedans. Non. Will, va en l'air, va en l'air. Moche. Je peux rien faire. Elle y est pas, mais par contre, elle est retombée. Ah, oh, oh my god. Quel niveau. Oh oh. Oh là. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. J'ai farté toute mon équipe. Oui. On le perdra pas ce match. Vas-y Willow. Oh, oh, j'ai essayé, j'ai essayé. Oh merde, j'ai oublié. Oh oh. Oh. Tu vas. Ah.
Je vais pas. D'accord. J'y vais. Au secours. Bon, ça va se passer, j'ai. Et pourquoi pas. Y'a quelqu'un qui la reprend? Oh oh. Non, ça va aller. Allez, on y va, moche. On y va. On est pas timide, on y va. Allez, oh oui, on y va. Loup. Oh. La dinguerie. T'es mal comment je t'ai poussé aussi à la fin. Ouais, j'ai vu. Regarde. Allez mon grand, tu peux le faire. Let's go. Voilà. Ça fait plaisir. Plus 11, plus 11, plus 15. Voilà. C'est ça qu'on veut nous. Ok. Ah oui. Ah bah oui, t'es gold 3, j'avais pas vu. Ah ouais, gold 3, platine 1. Mais attends, mais pourquoi je suis classé moi? Ah, hein, oui, James. J'avais 10 matchs de placement. Ah bah peut-être que j'avais déjà fait match de placement, alors je sais plus ce que je fais moi. Regarde, Irene Dalton. Il y a un rank 10 par personne. Oh bordel. C'est bien moche, on va le faire remonter en platine 1. Let's go, let's go. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il arrive, fais gaffe. J'y vais. Salut Will. Vas-y Will, saute. J'ai. Oh, Will. Vas-y, je pousse avec. Dégueule là, Will. C'est chié dessus. Non, j'ai pas de boost. J'ai chié en son ben. Ah oui, il y a une trace là. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, De toute façon, c'était soit ça, soit. Je suis obligé de faire ça. Ok. Je vais la retomber. Vas-y, Will. Je suis en train de back. C'est dedans, attention. Ah non, mais. Pas. Ah, mais il t'a feinté. Il m'a feinté, monsieur. Oh, il a la feinte. Regarde le. Oh, oh bordel. Elle est quand même belle cette animation. Faudrait peut-être que je prenne le pass, mais c'est cher pour juste ça. Ah, je suis mort. Oh non. Oh, oui. Je l'ai tapé trop fort. Double tap. Oui, oui. Ça c'est oui. Excellent. Voilà. Beaucoup trop fort. Pas grave. Ralentir mais non. Voilà, 64 km/h le stack. Let's go. Alors ah. Peut-être. Hein? Allô? Allô? C'est parti. Je sais. Hop. Toujours parce oh non. Moi non plus. Ah. J'y vais. Oh là, ça vole hein. Ok. Je vais essayer d'aller apprendre. Ok. Ils sont complètement fous eux à jouer aussi proche. Vas-y Willou, impose-toi. Voilà, montre-leur. Vas-y, double tap Will. Oh. Eux. Oh putain. Ok. Oh, il l'a okay. Pas. Ok. Un. Oh la règle. Volontaire bien sûr. Non mais attends, mais allez, je suis même de partout. Par contre, il y a un frérot en face, c'est un Smurf. Hein. Oui, bah oui, de toute façon, là, Smurf Lord. Non, mais je suis oh putain. Je suis perturbé par par le bordel ambiant, là. Exact. J'ai. Non mais... Tous les 50, ils sont... Vas-y, oui. Ah oui! C'est le Geojo là qui est. Mais c'est tous des diamants en face. Les décolles, ils l'ont pas! Belle esquive moche, j'ai apprécié. Merci. T'es pas bon, rire, je te voyais même pas. Mais tu m'as bien esquivé, j'ai. Vas-y, hop. Il y a toujours un défenseur, il joue oui. Bien. Ah mais il me bump, Geojo. J'ai ralenti, mais je peux pas faire mieux. Aïe. Oh, waouh, waouh, bien joué. Oui. Ah, bien joué. Alors peut-être. Will. Ah. Il est retombé. Oh oui. Ah, ils arrivent à défendre ça. Et ils font des dingueries hein.
Oh la vache! L'intensité du match! Ah! T'aurais dû j'étais bump. Sur celle-là. Non, Will. Je sors. Oh ouais, non mais d'accord, ça wave dash. Ah! Voilà. Des moves. Pas des moves de diamant. Hein? Bon, si, ça peut, mais. Oh, oh non, alors là, celle-là. Dans le vent. Oh. Oh Willou, c'est excellent. Oh Willou, c'est excellent. Oh, Willou, c'est excellent. Oh, il m'a envoyé une passe, mon pote. Oh là là, la passe de fou. Oh ya ya. Oh la vache. Ah ouais, non mais là, en même temps, vu la passe, ils se sont dit bon, celle-là, elle passe au-dessus, c'est bon. Que nenni! Oula. Oh putain de merde. Ok, ils vont jamais la reprendre celle-là. Aïe! Oh pardon, bonjour. Aïe! Laissez-moi jouer, bordel! Ça oh, j'ai pas. Oui, bien joué, Willow, putain. Oh non! Non! Ok. Je t'ai décalé parce que je savais pas si tu allais. Oh non. J'ai remis sur l'autre qui s'est bien tiré. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non! Pardon. Décale-moi ça! C'est but. C'est but, mais non, c'est but! Mon bon motus! Voilà! Aïe aïe aïe! Regarde, j'y arrive! Et hop là, le coup de cochon! Hop là! Ah, bien! Ah, il est 300 ping le frérot en face. Pardon, pardon les gars, pardon, je me suis rentré, j'essaie de. T'es en deuxième position, tu dois back boost. Je connais pas ces rotas là, moi. En 3v3, c'est le deuxième qui back. Ok, let's go. Je vais. Oh. Oui. Il nous énerve lui, hein. Oh non. L'autre m'a bump. Oh là là. C'est grave, hein. Oh aïe. Non mais. Il a marqué du dessus de la voiture sans tourner, mais comment? J'y vais. On peut le faire, on peut le faire. Pas fini. Oh putain! Yep, on a tous les deux kebabs! Attends, attends, attends! On a des kebabs entiers! C'est pas grave, c'est pas grave! Toujours 3-3. Vas-y! Je laisse tomber, hein! Ok, bah, je follow! Nous sommes des maîtres kebabiers! La kebaberie n'est jamais finie! Mais non! Mais c'est pas vrai! J'ai repop sur le ballon, genre! Vas-y Willow, vas-y, 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 vas-y. Ouais. Vas-y, j'ai pas de boost. Yep. J'ai pas de boost. C'est pas grave, fais un truc. Ah, oh le voleur. Ah merde, pardon. Je veux face, ouais. Oh non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Putain, Mehdi, il fait chier. Non. Oh l'enfer. Bon, ils étaient forts, ils étaient forts. Ouais, non, c'était compliqué, hein. Ouais. Il était violent en face. Pas grave, c'est pas grave. On va gagner, on va remonter. Je crois qu'en plus, du coup, on fait voir les MMR. Mais pourquoi moi je lag à mort à chaque fois, chaque fin de game là? Mais je fais du moins 15 et vous du moins 5, donc ça va. Tranquille. En détente. Ok. Bien, là, hein. Ah, RW9. Ok. Speed. Oh, ça m'a bug. J'y vais. Ok, et... ça pue en face, hein, c'est full turn. Bah, il y a un diamant et deux platines 3. Ok. Va falloir que je la prenne. Oh merde! Oh putain, what the fuck! Oh, il a kebab!
Mais il prend Ok, on est 3 kebabiers. Oh, bien joué, ça, Willou. Bien. Et bien. Oh oui, Willou. Bien. Pas trop. J'y vais. Hein. Pas mieux. Oh oui. Ah, oh oui. Attends. Alors, calmez-vous, tranquille, voilà. Let's go. Parce qu'il y avait voilà. Les kebabs, elle. Les kebabs. Et Moche qui passe niveau 172. Et Diablos niveau 50. GG. Oh là là. Kebab. Hein, voilà. 172 kebabs. Ah, j'en veux bien. Offert par la modération, bien sûr. Alors, j'y vais. Bien sûr, je suis là. Toujours. Ça me donne faim d'ailleurs. Putain. Le K-World. Non, il est parti. Il y en a deux qui ont quitté. Ils sont tous partis. Alors, ils peuvent pas FF. Ouais. Les trois vont se faire ban. Allez. Bonne soirée, messieurs. FF, oui. Bonne soirée, messieurs. Les gars. Oh la vache. Oh, ils ont rien à faire. Il prend pas 5 minutes. Vu qu'il y a plus personne dans son équipe. Bah, petit coup de chance pour le dernier. Et diff combien, Moche? Ah d'accord, ok. Alors... C'est la première fois que je joue avec un gold. Oh, le batteur. Oh là là. Alors c'est du diamant 1, diamant 2, diamant 3, donc là ça va être plus costaud. Ça, wave dash pour engage. Oula putain, oh je lag. Oula putain. Vous aussi vous laguez? Non, ça va. Putain, mais je suis branché en internet maintenant, c'est maintenant que je lag. Oh ouais d'accord. Allez. Ok, ouais d'accord, ok. Attends. Je pensais que vous étiez là. Il a fait le frérot? Oui d'accord. C'est surtout que je peux rien faire contre ça quoi. Ah oui d'accord. Voilà. Ah oui tout de même. C'est le diamant 3 lui. Ouais. J'y vais. Oh il se régale le frère. Ok. Non. Non mais sérieux. Non mais what. Attends. Non mais... mais c'est bon, il pense son équipe tout seul. À l'aide. Putain, JC. Frérot, laisse-nous jouer un peu. Mais oui, il a 900 MMR le frère. Eux, ils ont 700. Oui. Eh ouais. Eh oui. Après, c'est vrai qu'en 3v3, c'est un peu le bordel les MMR. Oh il arrête tout, il est tout seul sur le terrain. Il prend tous les ballons. Hein. Mais... Oh vas-y. Oh. Non mais... Laisse-nous jouer frère. Vrai, en vrai c'est pas un diamant 3. Hein. En vrai ça peut quand même parce que c'est quand même haut diamant 3. Hein. Il y en a qui sont diamant 3 depuis 6 ans et demi. Oh. Oh là là. Mon modus. Voilà, j'ai 8 points dans ce match. Plus de ping que de points. JC, il a plus de points que toute notre équipe réunie. Let's go. Du coup, depuis que t'es en câblé, t'as vu énormément de différence ou pas? Non. Voire même, j'ai l'impression qu'il y a plus de pertes de co, mais je pense pas que c'est lié au câble, mais juste à la co en ce moment, qui doit être surchargée, je pense. Ça, c'est pas impossible aussi. J'avoue que j'ai pas trop eu le temps comme je suis rentré hier. Oh mais il est complètement fou lui hein. Mais je pense que ça a dû changer ouais. Oh là 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 là. Hashtag moi. Ouais mais en vrai c'est t'es pas un cas isolé hein si B1. Hein. Diamant 3 c'est un plafond de verre de fou hein. Oh, il esquive les bumps comme jamais le frère. Mais... Pardon. Du coup, je suis pas au centre. Oh oui. Oh là 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 là, l'angle. Oh l'angle. L'angle est fou. Attends, mais... Oh. Oh là. Le JC, il s'est réveillé d'un coup. Il dit merde. Ah, il y a un ballon. Je te jure, c'est trop ça.
Oh, open. Oh. Retouche là. Non, c'est bon. Oh oui. Putain, oh oui. C'est incroyable. Voilà ce qu'on leur fait aux Smurfs, nous. Voilà. Oh bon, oui. Après, les deux autres. Oui, non, c'est un cauchemar avec les autres, mais. Les autres, c'est un cauchemar. L'autre, il est champion de tournoi gold, là. Le acier, là. Ok. Tu sais que j'ai même pas de titre de champion de tournoi. Hein. Eh ben, moi non plus, parce que sache qu'on a perdu en finale. Une finale de. Ah. Non, les gars. Ok. Oh, finale de. On a mis dans la sauce le Yap, là. Tournoi diamant. En overtime, j'avais envie de chialer. C'est super long, un tournoi, quand tu vas jusqu'au bout, hein. Non mais vas-y frère, il joue tout seul hein, c'est vraiment c'est un adulte avec ses enfants, hein. C'est un cauchemar. Oui. Vas-y, yep. C'est une feinte, c'est une feinte. Feinte de corps. Ça marche. Le pire, c'est qu'il avait pas besoin d'arrêter parce que oh les... Oh non. Oui non, oh non, on a pas c'est pas possible, c'est pas possible. Pas fini les gars, pas fini, oui, oui, oui. Oh, c'est à côté, c'est à côté. Ouais. Oula. Dangereux ce que tu viens de faire. Je sais pas. Joli. Ça met là. Alors. Complètement fou lui hein. Attention. Faut qu'on gagne du temps, faut qu'on gagne du temps. Faut que tu la prennes dans les airs. Joli. Oh oh oh. J'ai très peu de boost. Oh non, si tu mets de ma tape, c'est abusé. Ok. Ouais, mais ça va l'écraser. C'est que là, s'il avait mis une double tap, c'est largement du niveau champion. Oh oui. Allez, go, oui. Oh non. Je suis à l'envers, je suis à l'envers. Oui, dis-moi, Lem. Oui. Oh, papy. Bien joué, papy. Allez, allez. Ouais, ouais, ouais. Ah putain, j'essaie de reprendre. Non, j'ai été démo aussi. Ah. Bon bah écoutez les gars, on y va hein. Oh j'ai failli le mettre. Oh Willou, c'est bien ça. Ah, attends, Maïbouda, j'arrive. J'entends Smurf dès que je reviens. Oui. Ah, après. T'as dû tendre le ceiling. Miaou. Miaou. Oh putain, il me l'a enlevé. Pardon chef, pardon, j'ai pas prévenu, je suis sur Excited là. Oh, j'y vais. Faut gagner du temps, faut gagner du temps. Oh, poteau. Quête, oh là, oh là, oh là. Oh, oui, oui c'est bien, c'est dedans direct. Ah oui, il l'a, ah il oui, l'a. Ah oui, non, ouais, il l'a. J'y vais. J'ai pas. Oh, j'ai sa cause pour les liens de soleil. Oui. Oh non. Oh non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Nos soucis, puis regarde. Ça repart direct, t'inquiète. Il peut pas venir. C'est but, hein. Oh. Oh, il a failli marquer. On te voit en voc. Vite fait, en voc. What is this? What is your language? Oh là là. Mais qu'elle y allait en fait. Eh oui. Je trouve que les C1 c'est juste des D3 qui ont eu de la chance. Ouais, ouais, ouais. Je sais comment ils ont mis t'inquiète. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, en C2 il y a que des gens avions. Des gens avions. Alors oui, c'est des bonjour, petits je, plus, par contre. Hein. Je m'appelle Jean Avion. Oh. J'ai pas. Je pourrais mettre un pseudo comme ça. Allez les gars, c'est pour vous. C'est pire que tout à l'heure ça, non, non okay. Est-ce que tu vas venir un coup qu'on invoque je sais pas, Lem. Je pense pas. Oh. Wow. Oh. Attends, c'est okay. Quoi en face? Diamant 3, Div 3, ok. Gagnant de tournoi champion en saison 7. Il y a 5 saisons. Platine 3, mais il a pas de rank, donc en gros, ouais, c'est un Smurf. Et un diamant 1, ok. Mais sûrement dans la semaine, Lem. Ou dans le week-end, peut-être. Non. Oh, bien joué, c'est dedans. Pousse là-dedans. Il s'est chié dessus. Oh le non. Ben, il coule. Non. J'aime pas. J'aime le Ben pas, coule. C'est dedans. Non. Oh non, c'est à côté. Oh putain.
Allez Willow, on y va. Allez, let's go. Oh non, si je la retouchais seulement. Allez, allez-y, allez-y. Allez. Ah, mais c'est pas vrai. No prob, no prob, no prob. J'y vais. Quoi? Je l'ai démo, je suis non même pas. Oh oui, bien, 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 bien. Oh bordel, Matchak envoie des verres. Eh hey, Matchak envoie des verres. Elle a rigolé au loin. Non. Oh oui, oui, vas-y, tape de toutes tes forces, Willou, vas-y. C'est à côté, bordel de merde. Je prendre. Oh, je suis un fantôme. Non, moi aussi. Oh, ça l'a pas arrêté. Ok. Allez. Oh, bien joué à lui. Oh non. C'est pas grave, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est fini. Oula, ça, ça pue. Oulala, là là, il est fort. Non, oh. Ils font que les aériennes et ils arrivent à moitié, donc ils restent en l'air. Ouais, c'est ça. Des gens avion. En C2, mais même en plus bas de C2, ils font nimp. Hein. Waouh. Bonne description du Jean Avion, du coup je te jure. Jean Avion. Essayer de pinch. Oh, je peux pas. Oh, non. Oh, le kebab. Un joli kebab. Oh la légende. Oh non. Un joli kebab. Oh non. Oh non. Y'a pas une match, y'a pas une match. Kebab. Hein? Hein? Oh, l'arrêt de légende. Y'a rien vu. Y'a pas une match. Y'a pas de match. Personne n'a vu le match. Bah ouais, back to Fortnite, regarde. Y'a pas, je sais pas raconter ce que j'ai fait ce matin. Et c'était fait comme connerie encore. J'étais en stream et tout. Et mm-hmm. Je sais pas si tu connais Volt, le streamer Pokémon. Si, oui. Y'a Addis, il est en train de faire un concept avec lui. Mm-hmm. Et du coup, tu sais, quand Addis il tweet, j'ai une notif sur mon Twitter. Ouais. Et du coup je me suis dit bah attends, j'ai la notif d'Adi, je vais aller marquer en dessous de ton tweet, je vais marquer ratio. Comme ça je vais non. Le ratio, tu vois. C'était pas son tweet à lui. C'était pas son tweet à lui. Dis-moi que c'est un flop, je t'en suis folie. C'était le tweet à Volt. Est-ce que t'as supprimé ou est-ce que t'as laissé? Non, j'ai laissé, j'ai dit pardon, c'était pas toi que je voulais ratio, c'était Adi. Oh non. Oh bordel. Parce que Adi c'est arrivé sur mon stream et il fait je lui dis ouais j'espère qu'il t'a plu mon ratio ce matin. Oh oh oh, my Bruno qui offre 5 subs, pardon Willou, mais il est fou. Mais non, oh là là, attends, mais il est complètement fou. On est obligé de gagner. Merci pour le sub offert à Lyon Bleu, Vico, Nugget, Tika et Phil. Oh là là, incroyable. Merci beaucoup, my Bruna, ça fait plaisir. Et dites-vous, il a lâché son premier sub tout à l'heure pour lui-même. Tout à l'heure, il arrive, il lâche 5 subs. Oh, je farte des mates. Je suis le farteur de mates. Pour Bruna. Non. On va le gagner pour toi ce match. Merci beaucoup, ça fait plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Et toutes les musiques qui sont dans mes oreilles. Pardon Willou. Attention, il arrive fort. Je peux pas faire mieux. Oui. Oh oh. Pas de panique. D'accord. Oh oh. Vas-y Gab. Let's go. Oui. Je suis un pigeon. Mais j'aimerais jouer. Le match il a pas de sens. Bruna, t'as cassé le match. Oh merde. Oh merde. La feinte. Attends. Il m'a piqué le mousse le bâtard. Oh là là, mais quel fou. Le feu, Stercorius, le feu. Que du fire. Oh. À la maison qui brûle. Ah. La Matchak a tout cassé. Vraiment. Hop là. J'adore ce match. Ok. Oh oh. Voilà. Oh là là. Et coucou Lolo. Comment
comment ça va et bonne année surtout. Et on a pris un but. Mac Bobomb. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Exactement. Et ça repart. Ah non, c'est bon, c'est que dans mes oreilles. Let's go. Je crois que c'est le problème un jour d'ailleurs. Oui, oui, Lou. La flèche. Non. Alors, je peux pas la voir. Quelle est pour moi celle-là? Oui. Oh là là. Elle est pour moi. Bonjour. Bonjour, je suis Olivier de Tireglas. Hop là. Oh, oh oui. Oh oui. C'est excellent. Oh, oui. Oh non, Fred. Pas le droit de faire ça, Fredo. Tu l'as, Yop? Ouais. Tiens. Alors. Alors, non les gars. Oh putain de merde. Bonne année. Oui. Oh pardon. Pardon, j'ai regardé le chat, j'ai regardé pas où j'allais. Non, mais je me suis fait détruire. Oh là là. Oh. Oui. Willow. Oui. J'arriverai pas les gars. Je maîtrise pas ma manette. Oh, y'a personne qui l'a. La feinte qu'il a dit le frère. Non mais le tirou. Non. Allez les gars, on va le faire. Oui. La feinte. La oh feinte. Oui. Oh Willow. Oui. Oui. Ah putain, il y va pas. Et j'ai pas de boost. Aïe. Ah, merde. Allez. Oh. Avec quoi? Ok, ça peut le faire, c'est pas fini les gars. Pour Bouddha. Bouddha. Oh oui, oui, oui. C'est fini les gars. Non. Oh, oh, vous m'avez fait peur. J'ai un vrai kebab. Hop là. Moi aussi. Ah, oh. Mais oh. Si que ça passe le pire. Oh la vache. La moche. Ouais, mais voilà. D'à côté tranquille. Oh. Oh. À l'aide. Allô. On est dans un tunnel. Tout le monde vole. Allez. Bah on est des avions. Aïe. Bien connu. On est gens avions. Oh. Oh là 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 là. Oh, incroyable là. Incroyable. Voilà les amis. Voilà. Cette passe à Malolo. Oh là là. Attends, mais la frappe aussi est folle hein. Je me disais bien que j'avais pas beaucoup de points dans ce match. Oh mon dieu, bah oui, c'est pour toi, Bouddha. On va le gagner ce match. Regarde, 15 secondes, le scénario est parfait. C'est scripté. Attention. Attention, middle. Non, il l'arrête en plus. Il a pas le droit d'arrêter. Il a sorti la plus belle frappe de Willow des 10 dernières années. Non. Oh là là, le match est scripté. Le match est scripté. Allez, moi, c'est pour toi. Oh là là. D'accord, let's go. Kingo, oh putain. D'accord, let's go. Tiens. Oh oh. Non. Elle a ghost. Elle a ghost. Elle a ghost. Ouais, c'est pas vrai. On a pas vu. Y a pas de match. Y a pas de match. Ah, voilà. Ah, quelqu'un a vu un match? Quelqu'un? Sacré script. C'est un script négatif. C'est pour le content. C'est pour le content. Oh. Mais attends, mais pourquoi ils ont tous 800 et vous êtes à 600 et ils nous mettent contre des 800? Même si j'ai 800, c'est pas normal. Parce que t'as 800, tout simplement. Oui, mais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est là, c'est mieux. Voilà, y'a un champion 1 en face. Là, on peut dire que c'est du vrai smurfing. Parfait. Champion 1. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ce logo, tiens. C'était 800. Oui, mais regarde, eux, ils sont à 600 et 700. Hop, cadeau. Cadeau, y'a personne. Oui mais j'étais loin. C'est qui le champion? C'est Piluco. Will. J'étais à l'envers. Allez là, on win la game, voilà. Regarde, allez. C'est lui le champion. Ça prend le plus haut, ah ouais. Yeah. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès.
C'est pour une balade mentale là. Ok. Il fait. Mais c'est quoi ce bruit de fou là? Ah bah il joue. Un centre. Je lui redirecte. Merci chef. C'est pas toi qui fais le bruit, Matcha? Non mais quoi? C'est Matcha qui queen là? Non, c'est les chats, mais quoi? C'est les chats. C'est quoi? J'aurais dit Matcha. Secours. Mais... Merde, pardon, j'ai pas été au kick-off. J'aurais dit Matcha, première boule. Là. Attention. Hop. Ouais, Willou. J'y vais. Laisse-moi jouer! Oh oh. Non, mais c'est trop grave. Non, mais sérieux. Mais c'est trop grave. Oh, ça prend le plus haut. Oui, mais ça devrait pas prendre le plus haut. Ça devrait faire une moyenne, putain. Quand est-ce que je y réfléchis? Ouais, mais après, le problème, c'est. Si tu fais une moyenne, par exemple, si t'as un mec avec 1200 d'élo et un mec à 300. Oui, mais tu peux pas faire ça. Parce qu'il te met l'écart de rank. Mais 1200 d'élo, il joue tout seul. Oui, mais il te dit écart de rank de toute façon. Normalement, à un certain moment. Un moment. Quand t'as trop d'écart. Ouais, je crois que c'est 400 MMR d'écart, un truc comme ça. Je peux pas l'avoir, ça, celle-là. Non. Je peux pas ralentir plus. Oh non, mais c'est trop grave, c'est trop grave, ils sont trop forts. Mais on peut même pas arrêter. Mais un smurf, oui, bah de toute façon, le problème des smurfs. Mais ça, il est super simple à corriger ce problème. Hein. Faudrait juste qu'on soit au niveau 10 et qu'on puisse pas jouer avec nos potes tant qu'on n'est pas niveau 10. Hein. Ils sont débiles. En fait, faudrait des points de skill sur les premiers niveaux, sur les 20 premiers niveaux. Et comme ça, ça calcule ton niveau réel. Mais tu sais que là, actuellement, tu peux jouer en un match, hein, en ranked. Hein. Ouais, je sais. C'est terrifiant. Hein. Tu fais le match de départ et puis c'est fini. Et c'est-à-dire que tu peux avoir 10 smurfs en une heure. Ok. Il va nous refaire la passe. Ah ouais, non mais. Ah oui, non mais. Mais frérot, il vous fait la passe, lui. Oui. Oh. Non mais je comprends même pas comment le champion ne ressort même pas du lot. Ah bonjour. À l'aide. Bah parce qu'en fait tous les mecs sont pareils hein. Ils ont peut-être pas le titre mais... Non mais à l'aide. Oui. Oh non. Oh. 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 Ils sont chiants. Oh. Ça fait reset ou je rêve là? J'ai tenté. Attends mais... Bien joué à toi. Ok. Dans 20S. Dans 20S. 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe dans 20 secondes? Le stream explose. Ah. Ah oui. Oui c'est vrai. Faut qu'on lutte là. Bonjour. J'ai fait de la merde. Mais c'est quoi ce bruit de malade mental? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, vas-y, non, attends. Vas-y. Ah non, c'est bon. Regardez! Voyez quand même ce qui se passe! Attends. Non, mais regardez-moi ça en fait! Au secours, c'est Mario Kart quoi! Oh là là, que des conneries! Ok. Pour moi, on dirait trois idiots qui ball chase à fond. Un peu, oui, c'est vrai que c'était des full ball chaser en face, mais bon. Oh là là, que des bêtises. Mais regarde, ça n'a aucun sens que on tombe pas contre des gens à peu près notre rang quand même. Et ben, t'as le droit à un diamant 1 avec un platine 3 et un diamant 2. Oh, ça va, ça. Et c'est le platine qui va être le plus fort. T'imagines? Allez, oui, elle est pour toi celle-là. Oui. Super ça. Eh bah les gars, voilà, on a commencé comme ça du coup. Et j'ai été bump, hein. J'ai même pas compris ce qui s'est passé d'ailleurs. Wow, je crois que c'est le bump qui m'a fait tirer droit parce que j'avais tiré complètement à côté. Hein. Let's go. Je vais essayer de vous la mettre à gauche. Quel nom il est pas. Oh putain. J'ai un peu trop mis à gauche. Oh. Pour moi. Oh.
Punaise. Il est 18h46. Okay. Je m'arrête vers 19h de toute façon. Ouais bah ça va être pareil. Mâche, il a voulu nous attaquer. Oh oui, aérienne, allez. Allez Will. Et moi je me fais détruire. Ah oh bah let's go. Quoi? Comment elle est passée celle-là? Il y a eu un kebab. Wouah. Oh le frérot. il est catastrophique. Oh merde. Ok. Mais là c'est vraiment Mario Kart là. Ok. On le rebondit. Ah bah non. Ok. Non, merde, je l'ai mal tapé. Fais gaffe. Non, non, yap, non. Oh, il troll. J'ai pas fait exprès, je voulais esquiver le ballon, je voulais faire une conduite de balle, j'ai pas fait exprès, pardon. Je déconne, c'est pour le content. J'ai pas fait exprès en vrai. Tu t'as fait exprès. Aïe. On l'a vu hein. Ah, Sibéry l'a clippé en plus, fais chier. Oh. My time. Ah. Loupé. Je suis loin. Ah, je suis tout seul là, tu veux dire. Miaou. Non, mais je suis invisible ou quoi? Oh là. Bon, bah moi aussi. Attends, mais c'est un cauchemar. Pas possible. Oh, oh le T-Rex, il joue tout seul le frère en face. Il y en a qu'à 8 points. Lou, ah, il est diamant 2 le frère. J'ai jamais vu un compte aussi acheté aussi peu cher. Oh, ça aurait pu être incroyable. Oh mais vas-y. Ah, y'a personne du coup. Ah non, je pouvais pas être là, je t'ai vu être démo, j'ai back direct. Oh. Je suis dessus. Non mais sérieux? Hop là. Oh merde. Oh. Yosh, ouais. Attention, elle revient au milieu. Oh non, il m'agraille. Oh non, non. Je me suis fait manger. Mais c'est terrifiant là. Ils sont en train de se battre dans le truc. Ok. Il se met des points. Bah là, il a direct 140 points le frérot. Ok. Non. Ah. Oui, Willow, oui, merci. Allez. Merci. Oh là là. Oh quel con, mais quel con. Comment il a annulé le ballon? Oh je te jure. Let's go. Voilà. Allez. Allez. On peut le gagner ce match. Eh 3 minutes. Enfin il y a eu 2 minutes de jeu. Merde. 2 minutes de jeu, 6 buts. Hein. Jamais vu autant de buts. Oh. Je vais dessus. Non, je l'ai pas. Oh. Je back. Tu es loin. Attention Willow. Oh bien joué. Oh non, j'ai fait le mauvais côté. Vas-y Will. Oui. Ils font la merde, vas-y. Merde, j'ai mal contrôlé, putain. Les gars, Will, demi-tour. Ah oui. Oui. Oh là là, eh, Lou c'est une catastrophe hein, son niveau. Hein. Oh, oh la vache. Regarde-moi ça. Oh, c'est une catastrophe son niveau frérot. Ok. Allez Bouda, c'est pour toi. Ok. Quelqu'un, ouais. Oui. Putain, l'autre il sait pas jouer, il nous met son meilleur tir d'un coup, je comprends pas. Parfait Willou. Pour toi? C'est la frappe de leg d'Olivier Tom. Oh! Oh la feinte! Oh dommage. Oh merde! Oh putain, j'ai essayé. Oh merde! J'ai. Allez, on la prend dans l'air. On a loupé tous les trois! Alors, on moi, a eu deux points de touche. Hein. Alors. Ouais, nous aussi, t'inquiète. Voilà. Ouais, moi aussi, il va te toucher. Oui? Qui prend?
Vas-y, yap. J'ai pas de boost, j'ai pas de boost. Oh non, j'ai pas de boost. Je te jure. Il m'a démo. Oh oh. Ça va. Oh, j'ai fait tant roulouane avec Willou. J'ai. Ouais, oh putain, j'ai fait un flip arrière, super. Oh, qu'est-ce qu'il fait, gap? Je suis perdu. Il joue contre notre camp. Oui. Excellent. Tiens, gap, vas-y, je peux pas la prendre. Oh. Et Willou, on voit tout ce que t'as. Vas-y, gap. Hop là, on perd du temps, c'est bien. Putain. Ah putain, Calu, j'avais un truc à lui dire, merde. Je viens de penser à ça, il est passé à 2h, mais je viens de penser au fait que je lui ai pas dit que j'avais commencé Metroid. T'as commencé Metroid? Oui, en off, j'ai fini le 1 sur NES. Les Prime? Non, le 1. Ah oui, tu fais tous les Metroid. Oui, oh. Mais le 2, j'ai moins aimé, donc du coup j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout et j'ai envie de découvrir Prime plutôt que le 2. Le 2 me saoule. En fait, j'ai un problème avec les jeux Game Boy, je les aime pas. Putain. À part les Pokémon. Ah ouais, faut aimer le style. Ah, je préfère le style de la NES que de la Game Boy, en fait, c'est... Allez, les gars. Oui, 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 oui. Voilà. Le truc de Prime est sympa. Ouais, bah il a l'air cool, en vrai. Mais même le 1 était cool, hein. Moi j'ai kiffé le 1. Le 2, j'ai moins aimé, mais... Bah c'est un autre gameplay après entre les Prime et... Attendez, regardez mon stream. Qu'est-ce que t'as fait? Comme un symbole. Ah mais je l'ai, c'est ce que j'ai fait. Bah oui, mais il est apparu comme ça en mode bravo, vous êtes désormais un vrai cochon. Merci. Oh bordel. Ah parfait, j'aurai la récompense diamant cette saison, bah enfin. Oh là là. Tu les as fait toi, Star Curious, les Metroid? Ça fait un an et demi que Calu m'en parle. J'avais commencé avec Moshi, j'ai jamais compris. Ah ouais? T'avais fait lequel? J'avais commencé le premier. Oh, yeah. Le Prime. Mais c'est pas le premier. Hein. J'ai gardé le ballon. Ah. Oh, oh. C'était lequel, le Prime? Le Prime. Ah oui, c'est le 3. Le Prime Remaster là. Ah bah c'est pas le premier du tout. Mais il y a bien la trilogie des Prime. Oui, mais il y en a d'autres. Prime. Il y a le 1 et le 2. Il y en a peut-être d'autres avant d'ailleurs, non? Bah, de ce que j'ai regardé, j'en ai pas vu d'autres, je crois, mais je crois pas. Seulement celui sur GameCube. Ok. Vous avez volé en cochon volant. Exactement. Aïe. Le match, c'est que des arrêts, le match. Ouais. Non mais frère, au bout d'un moment, laissez-nous jouer, on en peut plus là. Big Uzi, il n'y a que lui qui joue encore. Hein. Regardez ses points. Pff, c'est trop chiant. À partir du moment où tu flippes comme ça dans tous les sens pour faire des... Les diamants 3 div 4. Sur GameCube, c'était lequel celui-là? Prime, GameCube, non? C'était les Prime, hein. Prime. Prime vidéo. Oh, pas mal. Oh, il saoule. Oh, c'est un freestyler. C'est un freestyler. Allez, vas-y. Il joue avec des caps là, le mec. C'est mate, c'est cap la land. Oui, moche, retourne acrobatique. Ou pas. Je suis dans le monde. Visant au boost, putain. Il allait te mettre son meilleur flic. Ouais, je sais, il a tenté. Vas-y, Willou. Contrôleur. C'est un cauchemar. Ouais, moi je suis pas un freestyler, moi. Mais si, t'es un freestyler, toi. Vas-y, lâche-nous un petit 16 là. Freestyle sur Skyrock. Mais genre. Oui, oui, je roule sur la concurrence. Oui, c'est bon. Comment je l'ai remis. Ça me fait penser qu'il y a pas si longtemps j'ai vu le clip où ta roue elle explose en plein stream. Quel cauchemar. Ça
Ça m'a valu une roue et 150 euros. Oh bordel. Oh. Ouf. Je vais retomber dessus. Oh. Vas-y. C'est à côté, c'est à côté. Non. Oh merde. Oui. Hein? Allô? Qu'est-ce que... Oh mais toi, laisse-nous jouer. Oh non, 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 non. Jamais il la met. Dadou daddy. Ouf. Je l'arrête. Aïe. Chades YouTube. Oh putain, la frappe de malade mental. Ouais, mais elle est pas cadrée. Hop oh là. Oh, oh putain. Non, je pars d'un ceiling. T'as eu... Il est fake. Oh, quel cauchemar ce match. Aïe. À me gratter les cheveux pendant que je roulais. Ah oh, mais c'est infernal en vrai. Ah bah là, c'est un match de diamant 3 là. Ceiling sans boost, vas-y. Ouais, j'y vais, ouais. Ouais, t'inquiète. Oh. S'en fout. Alors, elle va retomber comme de la merde celle-là. Oh, j'ai farté tout le monde. On fait tous de se manger le mur. Hein. Ah. Oh. Ah. Quoi? Vous êtes prêts? Ou pas? C'est un cauchemar. À l'aide. Oh putain. Mais c'est quoi ce match? Bah un cauchemar, tu l'as dit toi-même. Oh mais vas-y. Non mais en vrai, y'a personne qui joue logique là en face, c'est pas possible. Ils jouent n'importe comment, ouais. Les mecs, ils sont... Ils sont juste en train d'essayer de les prendre dans tous les sens. Oula, bizarre. Ouais, ne pas sortir du contexte. Oh, oh. Il y a pour frapper la balle tout le long du match, exactement. Hop là. J'avoue que là, ça donne envie de ball chase. Je compte des gens comme ça. Aïe. Yop, c'est un avion. Je suis Jean Avion. Ah. Dedans. Dedans. Elle m'a piqué de boost. Putain ma cam. Oh merde, je suis KO technique. Vous êtes des gens avion, on est des gens avion. Exactement. Oh GG pour le level up, Klein, j'ai pour le level up, Starcorius, j'ai le level up, Bruda. Il a. Il l'a. Non mais sérieux. J'ai aucune chance de l'avoir. Mais what? Ah, c'est pour moi! Bon, allez, dernier match après pour moi. Allez, ouais, pareil. Vas-y, allez, pareil. Ah. On va les manger. Là. Eh ouais! Oui. Eh ouais! Oh bordel! Oh, mais c'est des freestylers! Regardez, ils ont même pas le temps, ils se barrent direct. Il y a le titre de 2007, 5 ans qui est bloqué en diamant. Ah, carrément. Ah. Il y avait combien? 800. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Et vous faites du moins 6, c'est trop drôle. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est qui relance? C'est moi. C'est oui ou? C'est moi. 45 de ping. Eh, hey, à mon avis, c'est Mako hein, qui bug là. Jamais autant de ping. Ah mais c'est le serveur là qui doit bugger. Oui c'est pas possible. Vous étiez à 40 aussi vous. Oh, un or avec un champion et un diamant. C'est le début d'une mauvaise blague ça. Allez, génial. Merde. Bah oui. Ok. Oh le bâtard. Il m'a pas eu. Oh oui. C'est à côté. Ouais, mais attends! Non mais. Oh! Pas mieux. Oh! Elle est pour moi celle-là. Non, t'as Jean Potato en face. Ok. Ah! Ok, c'est bon, t'as fini? Ah! Oh non mais. Ça sent pas bon ça. Pourquoi ce feinteur là? Faut pas mieux! On est dans la merde! Ah ouais, non mais vas-y!
L'autre il est gold 3, il a 100 points, menteur. Maintenant nouvelle emote chez Phil, un avion avec sa tête comme cockpit. Quoi? Ah ouais. Allez c'est parti. Non, mais déjà regarde comment il fait l'engage, hein. Il se rate pas. Hein. Ah. Allez. Oh non. Quelqu'un au milieu? Non. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ah oh, Willow, ouais. Willow, solo. What non. Aïe aïe aïe. Il joue bien. Hein. Je joue solo. Âge. Oh non. Oh non. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait pire, j'ai fait pire. Non, ça a pas marché. Oh, je suis loin les gars, merde. Loin. Ah, j'arrive. Non, non. Oh, je l'avais sorti. Oh non. Et elle est dans les amis, hein. C'était un sauvetage in extremis que j'ai fait là. J'ai vu Gap mettre. Regarde, elle était dedans. J'ai essayé de la sortir, tu l'as rentrée. Eh, hey, commencez pas, non, commencez elle, pas. Elle y allait quand même. Elle y allait. What the fuck. Non, mais les gars, c'est bon, okay. Ils sont tous les trois champions là. C'est bon, ils chase. Non. Ils arrêtent les ballons quand ils chase. Pas nous. Eh. Pour le feinteur. J'ai voulu les feinter, faire genre j'y allais. C'est bon, jamais ils l'ont ça. Moi non plus. Oh, mais vas-y. C'est grave. Oh. Tu vas voir. Oh putain, Willow il m'a grimpé dessus. Magnifique moche. C'est pas vrai. Et merde, je prends leur poteau, je suis bloqué. Ah! On est touché les ballons. Oh, bien joué. Par contre, j'ai foiré du coup. Je sais même pas comment c'est pas rentré ça. Non! Voilà. Oh non! Oh non! On mérite pas de perdre. Hein. Non. Tu faisais un flip arrière, c'était dehors. Ouais, bon, écoute, c'est incroyable. Je maîtrise pas encore bien la manette, d'accord? Allez. Quoi? Hein? Allô? Ça bug. Passe dans un tunnel, la queue est mauvaise. Regardez celle-là, regardez celle-là, regardez celle-là. Hop là, pour Willow. Non, mes frères. Ah, bonjour. Il l'a défoncé, il avait rien demandé, le frère. Ça rentre pas dedans. Ouais, je vais péter un peu. On va prendre l'autre côté. Les bumps, c'est bon. Ouais. On voit des cachous le moche. Oh là. Ah, je le challenge. Tiens, Will. Ça joue vite là. Hein. Il est tout le temps là. Merde. Will, faut que tu la prennes. Oh les gars. Ils y sont allés à deux, c'est mignon. Il me dit oui, il va, que il va. Je suis à l'envers, mais en fait, il est à l'endroit. Ah! Bah, j'ai fait demi-tour. Ah, les gars! Oh. Quand est-ce qu'on va? Non, c'est mon père. Y a pas eu de match, y a pas eu de match. L'excuse en diamant. J'ai pris Yap pour le ballon. Oh là là, non, en vrai, moi j'ai vraiment des galères de manette, hein. C'est incroyable. Je suis arrivé, j'ai calé grande aérienne sur Yap. Alors, c'est pas le but du jeu. Je te dis tout de suite. Ah bon? Team Slurp. Ah.
Ah, 10 points, Willow. Ah. Non mais regarde l'autre. Oh là là. Les fratellos. Allez, on a un petit. Ah bah. 400 MMR. Oula, ça s'appuie. Alors. 400, 500 et 800. Waouh. Ça appuie complètement. Les c'est gars, un gold de 3. Vas-y, je vais voir ça. Pour le content. Vas-y, moche contrôleur. Alors que l'entraînement paye. Alors. Bon putain. Oh, j'ai. Eh. J'ai pas de bon. Oh non, il m'a troll. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je t'avais dit que t'allais tous te mettre des flip reset, hein. Oh, en vrai, ça va. Lui, c'est le diamant 2, donc. Il l'a loupé en plus. Non, ouais, mais je crois qu'il. Mais il a pas fait exprès, Ah, c'est pas impossible. Ah, ça. Ça sera. Bah non, à ce niveau-là, ils font pas exprès. Le Eevee RL, le mec, il vient quand même de mettre un spin. Un spin kick-off, hein. Spinoza. Oh, allez, j'ai pas de boost. Là. Attends. L'autre il est diamant 1, il fait ça dans. Oui. Menteur va. Bah. Tu fais pas ça en diamant 1 ? Menteur. Y'a plus de joueurs, c'est bon. Est-ce que c'est le hors 3 qui vient de Wave Dash ? Non, regarde, va chercher celle-là. Mais il va la chercher, c'est ça le problème. Bon. Ah. J'ai rien à sortir moi là, pour gagner contre eux. Ah merde. J'aurais volé le boost. Oh mais genre je passe à travers. J'ai un fantôme. Je tempo. Non. On y va. Oh. Oh. Miaou. Miaou. Hein. Non, lui c'est un cauchemar. Allez, let's go. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait lui, vieille, complètement. Il est ravagé hein. Oh genre. Doigt, ah. Oui, vas-y, aérienne. Ah. Oh. Oh. Oh, je suis en roulade dans le but. Ah, carrément. Non, j'ai loupé. Je vais. Et en roll one, donc on est en 2v2, ok. J'en roule one dans le but. Lol. Lol. Je sens qu'il va briser la roule one pour arrêter le but. Non. T'inquiète. J'aurais pu marquer. Allez. Oh, petit repop pile là où son pote il lui passe la balle, c'est trop. Et... Allez, hop. Let's go. Voilà. Et GG Balacha pour le niveau 138, GG Dragu pour le niveau 61 et GG Jean René pour le niveau 53. Regarde le but. Et Willow qui fait les enfants avec l'adversaire. Allez, Willow, tu back. Voilà, c'est bien, mon garçon. Et là, c'est pour toi. Et là, tu brilles. Voilà. Ah non. Ici, t'inquiète. Ah, t'avais dit que je devais briller. J'ai pas brillé. Je suis né c'est pour comme briller. Les Pokémon, ça brille pas. Vas-y, ouais. Oh. Oh tu as dit ça, il a failli marquer. Oh, j'ai failli marquer. Alors, on n'est pas bleu, c'est pour ça. Donc il est le Red Eye, c'est une blue. Le bleu. Oui. Oh. Je vais essayer un truc, on va voir. Oui. Ah ils m'ont Moche encore.
Mais des mots. Non, je l'aurai pas, j'ai plus de boost. Attention hein. Non oh. Willow, t'es une légende. Putain. Bah je sais, il l'a déjà dit. Et vas-y mâche. Pas mieux. Ah. Prends juste le boost, je me barre. Vas-y, j'ai taxé celui du milieu. Will, Will. Oh, oh putain, mais pourquoi je fais un flip de merde? Mais pourquoi? Oh, oh merde. Oh merde. Oh t'inquiète. On est reparti ensemble. Oh merde. Non, non, je l'ai raté. Non, là je peux pas. Oh, oh non, non. Dommage, dommage. Hello Kagami, ça va très bien avec toi. Bonne année. Oh là là. Un cauchemar. Oh, comment... oh mais oui, on méritait de la marquer. C'est pas de lapin. Ouais, bon. Allez. Allez. Allez, hein. Oh, moche. Pas si mal, pas si mal. Allez, gap. Oh non. C'est trop dur là. Oui, oui, 1v3. Mais ta meilleure aérienne. Tombe pas. Ah, ah. Bonne année à Kagami. Oh là là, bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça sera pour une prochaine. Oui. Oh la allez, vache. Ah bah oui, ils sont tous. Plus de MMR. Non, tu mens. Merde. C'est à cause du dernier match, on a fait moins 9 là. Bon bah c'était cool les gars, merci. Merci, merci pour l'invite. MRC. MRC. Et à très vite hein. Et des bisous. Ciao. Allez hein. Bye bye. Bon les amis, désolé Kagami, t'arrives pour la fin du stream. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à raid là? Ça fait longtemps que j'ai pas streamé, alors on va voir s'il y a quelqu'un qui... Oh bah il y a Jean-René qui stream. Il y a notre ami Addis, il y a Fenga sur Sea of Thieves. En plus, en ce moment, j'ai trop envie de refaire le Sea of Thieves grâce à la vidéo de The Great Review. Mais je pense que... Tiens, je vais vous emmener chez Jean-René, je pense. Ou alors... Attends, je vais aller voir. Ouais, non, vous savez quoi? Vous emmenez chez Fenga, je pense. Attendez, bougez pas. Ah, il y a Yeri. Oh non, il y a Yeri. Yeri, ça fait trop longtemps que j'ai pas raid. Allez, je vous emmène chez Yeri, les amis. Hop. On n'hésite pas à rester pour donner de la force à l'ami Eri qui fait du Quantum Break. Et puis merci à tous pour aujourd'hui. C'était le retour des streams incroyable. Demain, Breath of the Wild, ça va être trop bien à 18h les amis. Merci en tout cas à tous pour aujourd'hui. C'était trop trop bien. Merci encore Bourda pour les 5 subs offerts. T'es complètement fou. Oh, sub que t'as pris pour toi-même aussi, bien évidemment. Merci à Willou pour le sub du 21e mois, à Moche pour le sub du 17e mois, et à Youssef, H et Latizane pour les follow. Il y en a eu deux qui étaient en off, donc merci à vous, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. On va aller chez notre ami Eri qui est en train de faire du Quantum Break. C'est son deuxième stream dessus. On n'hésite pas à lui envoyer un maximum de force, bien sûr. Et puis voilà, moi je vous dis du coup à demain pour Breath of the Wild, ça va être incroyable. Jamais j'aurais pensé dire ça un jour, mais on y est. Donc voilà, merci à tous. C'était le Yap, c'était le retour des streams. Bonne année 2024 à tous et let's go chérie, c'est parti!